Mesdames, donc Madame Gagnon au milieu ici, Madame Daigle, Madame oui, s'il vous plaît. Faites attention en allant, faut pas tomber en bas du podium. Voilà. Ça va? Faut être mince. Un peu de gymnastique pour commencer. C'est bon. Bonsoir tout le monde, bienvenue à cette soirée des Amériques littéraires, donc la deuxième de notre deuxième saison. Une soirée qui est produite par le musée des civilisations, on dit maintenant, le musée de l'Amérique francophone qui nous accueille ici dans la chapelle avec la grande collaboration du Centre de la francophonie des Amériques et aussi avec le soutien de notre commanditaire, l'hôtel Château-Laurier. Je vous rappelle que, bon, il y a une caméra à l'arrière, nous sommes en ligne, donc en streaming. Il y aura sûrement un terme français cohérent que je trouverai pour la prochaine fois. Donc, ce soir, les gens ont l'opportunité d'un peu partout, de nous regarder et de suivre la rencontre. Et à partir de dans quelques semaines, l'enregistrement audio sera disponible sur le site du Musée de la civilisation. Et donc, vous pouvez déjà, d'ailleurs, écouter certaines des rencontres de l'année dernière et la première de la série de cette saison qui a été présentée en septembre dernier, qui était sur la révolution numérique et la littérature. Au programme ce soir, on n'est pas du tout dans la révolution numérique. On touche à une autre révolution qui a eu lieu, elle, je dirais, si on veut la situer historiquement, dans les années 60, 70, 80, et qui est une révolution sur l'écriture et la littérature féminine. Et donc, je vais vous lire le petit chapeau que j'ai rédigé pour notre rencontre. L'écriture des femmes, au féminin ou féministe, marque le paysage littéraire depuis les années 70. Incarnation d'un souffle littéraire nouveau, les écrivaines ont multiplié les prises de parole, occupant autant l'espace public que nous révélant la sphère de l'intime. Revendicatrices, radicales, lyriques, sensibles, sensuelles, militantes, formalistes, tout simplement humaines, elles ont réinventé la littérature. Et c'est surtout ces derniers mots, moi, qui m'intéressent particulièrement et j'espère dont on va surtout parler ce soir avec Mme France Daigle, Madeleine Gagnon et Christine Eddy. Donc, de comment les femmes, depuis un demi-siècle maintenant, plus encore, si on pense à une Doris Lessing, malheureusement, qui est décédée hier ou avant-hier, et à plein d'autres femmes qui ont écrit avant, mais si on pense au Québec, moi, je pense surtout à mes années d'études, j'en parlerai un petit peu tout à l'heure. Donc, cette révolution de la littérature des femmes a marqué, surtout depuis les années 70 et 80. Brève présentation de nos invités. Madeleine Gagnon est poète, romancière et critique, originaire d'Amqui, dans la vallée de la Matapédia. Vous avez encore un fort attachement, d'ailleurs, à oui. cette région. Oui. Après l'obtention d'un doctorat, elle a été professeure de littérature à l'Université du Québec à Montréal de 1969 à 1982. Depuis ce temps, elle est professeure invitée, écrivaine en résidence, notamment à l'Université de Montréal, à l'Université de Sherbrooke, à l'Université du Québec à Montréal et à Rimouski. Elle a collaboré à nombre de revues littéraires, sociologiques, philosophiques, féministes et autres. Elle a fait des lectures publiques, écrit des textes pour la radio, donné plusieurs conférences au Canada, aux États-Unis, en Europe. Ses textes sont cités dans plusieurs anthologies. Pour l'un ou l'autre de la quarantaine de livres qu'elle a publiés, certains à plusieurs mains, Madeleine Gagnon a obtenu nombre de prix, le Grand Prix de poésie du Journal de Montréal, le Prix du gouverneur général du Canada dans la catégorie poésie. Si bien qu'en 2002, ce qui était justice, tant qu'à moi, elle se voyait attribuer le prix Athanase David, qui récompense l'ensemble de son œuvre. Depuis toujours, un récit autobiographique est paru cette année chez Boréal, et nous en reparlerons dans quelques minutes. France Daigle est née à Moncton en 1953. Je nomme la date parce que c'est le titre d'un roman. C'est difficile de passer à côté. Donc, 1953, chronique d'une naissance annoncée. Ce roman nous entraînait dans un tourbillon des événements qui ont marqué l'année de sa venue au monde. Il est difficile de ne pas faire de lien entre France Daigle et ses récits et ses écrits. On va en parler évidemment ce soir. Elle est auteure d'une dizaine de romans, certains très proches de la poésie. Elle a aussi écrit des scénarios, des pièces de théâtre.
Elle remportait en 1991 le prix Pascal Poirier d'excellence en littérature, décerné par le gouvernement du Nouveau-Brunswick. Elle a reçu le prix du lieutenant-gouverneur du Nouveau-Brunswick pour l'excellence dans les arts littéraires. Est-ce que c'est votre collègue Herménégilde Chiasson qui vous l'avait remis? Non, ce n'était pas lui qui était là à ce moment-là. Et pour son roman « Pour sûr », une somme assez extraordinaire, elle a reçu le prix du gouverneur général en 2012. Ses trois premiers récits, « Sans jamais parler du vent », « Film d'amour et de dépendance » et « Histoire de la maison qui brûle » viennent d'être réédités en 2013 en un seul livre aux éditions Prise de parole. Notre troisième invité, qui habite Québec depuis une trentaine d'années maintenant, Christine Eddy. Bonsoir, Christine. Elle est née à Paris. Quelques semaines avant de prendre un bateau, avait le sens de la fuite développé très jeune, pour venir s'installer au Québec. Elle a passé donc une partie de son enfance à Montréal, a grandi ensuite en Acadie. Mais c'est dans la ville de Québec qu'elle a jeté l'ancre, il y a déjà plus de 30 ans. Elle a publié d'abord des nouvelles dans différentes revues littéraires, un livre pour enfants, avant de se faire remarquer avec son roman « Les carnets de Douglas », paru au Québec en 2007, prix France-Québec 2008, prix Sangor du premier roman francophone en 2009, prix du Club des Irrésistibles 2010. Ma foi, c'est un prix que j'aimerais gagner. Peut-être c'est un nom assez fascinant. C'est un prix de lecteur. Pardon? C'est un prix de lecteur de la région de Montréal. De lecteur? Les bibliothèques de... Okay, de Montréal. Et elle a été finaliste aussi pour le carnet de Douglas pour 6 autres prix littéraires. Donc vraiment, c'était une entrée dans l'univers romanesque très remarquée. Son deuxième roman, Parapluie, est paru chez Alto, éditeur de Québec, en 2011. Il a été finaliste au prix de la création littéraire de la ville de Québec. Mesdames, bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation pour parler d'un sujet, donc l'écriture féminine, féministe ou féminin des femmes. Il ne sera pas nécessairement question de chick lit ici, bien que si vous voulez en parler, vous êtes évidemment libre de le faire. Et pour nous lancer, j'irai tout de suite, et faites-vous-en pas, je ne parlerai pas tout le temps, je vais tout de suite lire un extrait de « Depuis toujours » qui trouvait cernait bien un peu comment je voulais lancer notre rencontre. Au cours de la décennie 1970, nous avons tenté ces solidarités nouvelles. Incapables de lire chacune de nos voix, la critique nous a enfermés dans une catégorie nommée « les féministes » qui a fait long feu dans les anthologies et les manuels. Dans les livres d'apprentissage de la littérature québécoise, les chapitres « Écriture féministe » ou « Écriture féminine » avec leur variante « Écriture au féminin » ont duré une dizaine d'années. Non seulement la catégorie générique niait la spécificité et l'originalité de chacune des voix de ma génération d'écrivaines, mais dans les manuels d'enseignement de niveau collégial, elle disparut vite fait pour être remplacée par le chapitre « Écriture migrante ». Je n'ai rien contre la lecture des écrivains et écrivaines venus d'ailleurs. Seulement, comme pour les femmes, les caser dans une catégorie fixe et stable peut empêcher la connaissance des voix singulières et des imaginaires particuliers. La pluralité de ce qui est révélé dans les livres de fiction ou de poésie permet de recomposer à la lecture la polyphonie d'écritures multiples, issues d'ici, venues d'ailleurs, qui ont pour ultime finalité, consciente ou pas chez l'écrivain ou chez l'écrivaine, de redonner au monde une vérité, des vérités, impossibles à cerner sans elle. Donc, vous référez vous-même, Madeleine Gagnon, à la décennie 1970. Mm-hmm. Quand vous y repensez aujourd'hui à cette période, bon, vous y avez pensé évidemment en rédigeant depuis toujours, oui. Mais il y a vraiment eu un mouvement fort, puissant dans ces années-là, qu'on peut aujourd'hui regarder avec le recul, avec un regard historique. Oui, ça a été extraordinaire. Moi, je l'ai vécu comme quelque chose de très beau, comme une révolution, mais non violente. D'ailleurs, c'est ce qu'on disait, on voulait pas remplacer le patriarcat par une espèce de gynocratie, c'est pas ça qu'on voulait. On voulait avoir notre place publique, on voulait que nos paroles soient connues, on voulait remplacer la rivalité entre les femmes, souvent rivalité dans le poulailler pour un même coq. Remplacer cette rivalité-là par ce qu'on appelait les tendresses, les amitiés,
les générosités qui n'avaient pour nous, à l'époque, on disait que ce sont des générosités qui ne se sont pas nommées, qui ont été vécues par les femmes, mais qui n'ont pas été dites et qui n'ont pas été écrites. Alors, c'est ce qu'on a voulu faire. Je dis « on » pour nous, parce que je me sentais vraiment pas toute seule. Je me sentais entourée. Donc, il y avait une communauté, il y avait une famille. Beaucoup. Il semble, je ne sais pas ce que vous en penserez, vous, mais il semble que ça se soit perdu, que le féminisme ou le féminin se vive autrement. Donc, ce n'est pas nécessairement mauvais, mais se vive autrement dans la solitude des écritures individuelles, mais ce sont, comme disait Deleuze, des solitudes peuplées. Peuplé de rencontres, d'autres écritures, de souvenirs, de paroles. Enfin, je ne veux pas parler toute seule, mais... On a deux heures devant nous, vous pouvez y aller. je ne suis pas une placoteuse de toute façon, mais là, je voulais bien répondre à votre question. Mais d'ailleurs, vous, France Daigle ou Christine Eddy, vous êtes de la génération suivante. Juste après nous, oui. Ouais. Et donc, et vous, bon, évidemment, vous étiez à distance un peu, étant en Acadie, mais vous avez senti le même, j'imagine, le même esprit ou le... Oui, d'autant plus que moi, quand j'ai commencé à écrire, je ne voulais... toute la question de l'écriture féminine me pesait un peu, parce que j'avais un petit peu peur d'être enfermée dans... cette notion d'écriture féminine et je voulais dépasser ça. En tout cas, j'espérais que mon écriture allait être... Alors, souvent, dans mon premier livre, je vais dire « il, elle ». Je vais toujours « tous, toutes ». Je vais toujours... Et même qu'à un moment donné, le personnage qui s'occupe de la maisonnée et des enfants, ben, c'est un homme. Qui veille là-dessus, c'est pas une femme. Alors, j'ai eu beaucoup de problèmes à me faire à cette idée de féminité, masculinité. J'aurais aimé qu'il y aurait eu un sexe neutre où on pouvait juste aborder la vie et dire ce qu'on avait à dire sans que ce soit catégorisé au départ. Oui, à ce moment-là, il aurait fallu que vous soyez hyper chrétienne et du sexe des anges, ce qui réglait pas votre problème. Non. Mais c'est juste pour dire que j'étais déjà consciente de ce qui se faisait et j'étais déjà consciente qu'il y avait comme une sorte, pas une école d'écriture féminine, mais un peu quand même. Moi, je n'allais pas nécessairement vers ça. Moi, juste le fait d'écrire, c'était la grosse chose. J'essayais pas de pousser ou de représenter homme, femme. Pour moi, j'étais à côté de cette piste-là. Donc, il y a vraiment une distinction, et j'arrive à vous, Madame Eddy, Christine, dans une minute. Vous avez réclamé, Madeleine Gagnon, dans votre écriture, ce militantisme, sans que votre écriture soit seulement militante, mais donc vous avez vraiment incarné dans votre Absolument. Travail c'est cette ce qu'on voulait. Posture. On voulait, je dirais encore, là, c'est ce que nous voulions. Je me rappelle très, très bien de nos discussions. On se disait, par exemple, à la fin du 19e siècle, Angéline de Montbrun, elle était toute seule. On l'a traitée de vieille fille, de bas bleu. Elle n'a pas pu se marier parce qu'à cette époque-là, soit on se mariait, on faisait des enfants, ou soit on était vieille fille, puis on avait le droit d'écrire. Et nous, on a voulu sortir de cette dualité-là, puis provoquer des rencontres entre les femmes. C'est ça qu'on a voulu. On n'a pas voulu se cloisonner dans une espèce de nouveau couvent de femmes. C'est pas ça qu'on voulait. Mais on voulait développer des solidarités. Mais peut-être que ça a été perçu. On a été perçu comme un gros bloc, pas de l'Union soviétique, là, mais un bloc. Un bloc de femmes. Mais je veux juste poursuivre le dialogue entre vos deux pensées. Donc, France Daigle, j'ai le sentiment... Si votre écriture ne s'est pas réclamée ouvertement du féminisme, ça ne veut pas dire que vous n'étiez pas vous-même féministe quand même. Non, ça n'a pas de rapport. C'est D'accord. juste que je ne partais pas avec un acquis. Non. Je voulais partir à zéro. À zéro, bien,
Moi, je dirais que c'est normal quand on commence à écrire. On veut inventer, on veut être une voix originale, inédite. On a beaucoup... Je ne sais pas ce que vous, vous en pensez. Oui. Comment vous l'avez vécu? Cet après-midi, en entrevue à la radio... Donc, je vous écoutais et vous parliez de votre bibliothèque et de ce que vous lisiez dans les années 70-80. J'entends bien, vous avez baigné dans ce mouvement-là pour vos lectures ou par votre intérêt personnel. Moi, je suis arrivée à Québec à 20 ans et les 10 premières années de 75 à 85 sont des années, sont probablement les années les plus riches au plan intellectuel pour moi. Et ça ne s'est pas passé à l'université où j'étais pourtant. J'ai découvert le Québec, j'ai découvert la culture québécoise, mais j'ai surtout découvert la parole des femmes. Et vous savez, des fois on dit j'aimerais tomber sur un livre qui change ma vie. Ça m'est jamais arrivé, mais quand j'y pense bien, quand j'ai lu Paroles de femmes d'Annie Leclerc, Les mots pour le dire de Marie Cardinal, et un troisième, j'ai lu ces trois livres-là. Benoît de Gros, ainsi soit-elle. J'ai lu ces trois livres-là coup sur coup. Ma vie n'a pas changé, mais mon regard sur la vie a changé. Et ce que je racontais à la radio, c'est que si je rangeais ma bibliothèque par ordre chronologique d'achat des livres, tout ce que j'ai acheté de 75 à 85 serait très majoritairement féminin. J'ai découvert les éditions des femmes, j'ai découvert... ça a été une époque où on a fait ressortir des textes, Olympe de Gouges, ou même Georges Sand est revenu, des femmes qu'on n'avait pas lues depuis longtemps, qu'on connaissait mal, qui avaient été oubliées. Et pour moi, ça a été des témoignages, des romans, de la poésie, du théâtre, le cinéma aussi. Vous avez écrit avant, évidemment, le carnet de Douglas, mais le carnet est paru en 2007. Il y a eu comme un long laps de temps. Je suis une écrivaine tardive, comme les tulipes. Mais quand vous avez... Bon, ce que vous avez lu dans ces années-là transparaît, a toujours transparu dans votre écriture quand même? Ou c'est quelque chose qui vous a marqué profondément, autant dans votre vie que dans votre écriture? Ou... Je pense que ça a marqué ma personnalité. Puis je pense qu'on écrit... comme on est. Mais c'est drôle ce que vous dites parce que c'est vraiment intéressant. Les femmes que vous avez nommées, c'est celles que je lisais, que je rencontrais. Je sais, je vous ai enviées. On se rencontrait, on était tellement contentes dans les colloques. Je me souviens, en 75, c'était l'année de la femme. Oui. L'année de la femme, on avait décrété que c'était ça. Et puis, il y a eu la rencontre québécoise internationale des écrivains. C'est extraordinaire, comme vous racontez ça. Oui, je le raconte. Et puis là, toutes les femmes que je lisais, certaines, pas toutes, certaines des femmes que je lisais sont venues. Puis on se disait, bien, enfin, on se voit, on se parle. Même on a dit un jour, on ne sera plus obligé de s'écrire, on va continuer de se parler. C'est bien, on se rencontre. C'était... une espèce d'effervescence, de joie, de grande, grande joie, je vous crois. Et quelque chose qui m'a fait plaisir dans votre livre, c'est de retrouver là Jeanne Lapointe. Jeanne Lapointe, oui. Jeanne Lapointe, on n'en parle jamais assez. Oui. C'est la première femme professeure au département de littérature de Laval. Moi, je ne l'avais pas comme prof parce qu'elle enseignait la psychanalyse, une approche psychocritique des textes. Et elle est devenue féministe. Mais elle vous invite en 78. Elle m'invite en 78. En 77, moi je suis étudiante et la rumeur court dans les couloirs que le prochain cours de Jeanne Lapointe, qui va s'appeler Psycho Machin 38-96, ne sera pas ce qu'il annonce. C'est-à-dire qu'elle lance la rumeur, toutes celles qui veulent venir, venez. Amener les textes que vous voulez, des textes de loi, des chansons, des œuvres visuelles, des romans, et on va les regarder avec un œil féministe. Et on s'est retrouvés dans cette classe, on était une quarantaine, sciences infirmières, droit, sociologie. D'ailleurs, il y a beaucoup de ces femmes-là qui ont créé la chaire des études féministes à Laval après.
Mais c'était fabuleux. Moi, j'ai décidé que j'allais lire le dictionnaire et regarder les définitions. C'est une édition des années 70. Ils ont changé depuis. Mais je relevais tous les mots qu'on n'utilisait que pour les femmes, comme acariâtre. Acariâtre était un adjectif qu'à l'époque, aujourd'hui c'est changé, là. Un homme peut être acariâtre. Mais à l'époque, le mot n'était utilisé qu'au féminin. Comme mégère. Comme mégère. Comme mégère. Mais on avait rencontré Jeanne Lapointe ici à l'Université Laval. Elle était prof à Laval. Puis vraiment, ça a été notre mère à toutes. Ben, elle n'aimerait pas ça, là, dire mère, mais bon. Elle a été notre maîtresse à penser à toutes pour un bon bout de temps. C'était une femme très, très généreuse qui faisait lire des femmes dans son propre cours, qui invitait des femmes. Moi, elle m'avait invitée avec Annie Leclerc, justement. Puis elle nous avait invités au restaurant aussi. On a écrit, il y a un livre qui vient de sortir sur elle, hommage à Jeanne Lapointe, qui a été publié. Les textes ont été regroupés par Chantal Théry, que vous connaissez sans doute, qui est prof à l'Université Laval. Ça a été publié, c'est une série de témoignages sur Jeanne, qui est morte il n'y a pas très longtemps, là, oui. 2-3 ans. Et puis le livre d'hommage a été publié chez XYZ. Il est dans les vitrines des librairies. Oui. Peut-être que les gens de la librairie Pantoute l'ont derrière, parce qu'ils sont là avec nous ce soir, mais sinon ils l'ont sûrement chez Pantoute tout près ici. Chez Pantoute, oui, ça vient de sortir. Moi, j'en reviens à ce livre, parce qu'en fait, lorsque j'ai lu, moi, depuis toujours, au printemps, quand le livre est paru, on préparait la série de rencontres pour cette saison. Puis je dis, bon, il faut absolument qu'il y ait une rencontre autour de l'écriture des femmes. Et raison de plus, c'est que j'avais lu depuis toujours. Qu'est-ce qui vous a amené à faire ce récit autobiographique? Parce que, bon, moi, je vous ai connu, j'ai lu beaucoup votre travail au début des années 80, qui était alors très proche, très, très poétique. Vous étiez vraiment dans la poésie, autographie, la lettre, oui. Au cœur de la lettre, l'amour infini, ces choses-là. Ensuite, il y a eu les romans, et là, tout à coup, ben, vous avez écrit des essais, vous avez fait une œuvre très, très variée, mais pourquoi ce récit autobiographique? En fait, je ne sais pas, je vais vous dire, puis je ne sais même pas pourquoi je l'ai commencé. Mais j'avais commencé à écrire des petites histoires. Ce sont les premiers chapitres du livre, comme oui. Le chant de carotte. Oh, c'est beau, le chant de carotte. Qui se passe chez... Oh, merci. Là, j'aurais été comblée. Ça se passe à Saint-Alexandre-le-Grand. C'est tellement beau là. Oh. C'est en haut dans la vallée, face au lac Cosomo, mais en haut dans les collines. Puis là, il y avait mon oncle Auguste Roy. Et ma tante, la sœur de papa, Adèle, qu'on appelait Adéla, ils avaient 19 enfants. Et puis, j'ai commencé à écrire l'histoire du champ de carottes parce que un matin, l'oncle Auguste est arrivé et puis il pleurait. Je n'avais jamais vu un homme pleurer. Il pleurait parce que son champ de carottes avait gelé. Puis, pour moi... À, je sais pas, 12 ans, pleurer pour des carottes, c'était... Je trouvais ça, mais en même temps, j'étais émue. Mon oncle pleurait. Un homme pleurait pour des carottes. Donc, j'ai commencé à écrire ça, puis de fil en aiguille, de petites histoires en petites histoires, je me suis aperçue que, au fond, j'étais en train d'écrire une partie de ma vie. Puis je me suis dit... Tiens, c'est une autobiographie. Puis à partir du moment où j'ai dit c'est une autobiographie, je suis devenue vraiment responsable de mon livre. J'ai eu peur. J'ai senti la responsabilité. Puis la responsabilité de poursuivre aussi. Mais je le dis dans un chapitre. Mais c'est pour moi, ce livre-là, c'est petit, c'est comparé au grand livre de France. Que j'ai lu l'année dernière, c'est énorme. C'est une histoire de la... Poursure, vous parlez de poursure, oui. Oui, poursure. Il y a la grosse brique ici, là, on voyait. C'est l'histoire de la langue acadienne, de la langue française depuis le Moyen-Âge, donc du peuple, ça a des dimensions très vastes.
Mais on va y arriver à poursuivre tout à l'heure. Moi, je vais rester encore un petit moment sur Depuis toujours ou sur d'autres de vos livres. Parce que là, vous nous amenez ici à faire un parcours justement de votre jeunesse, de votre enfance, de la vie de votre famille, de vos études. Et à un moment, on sent bien chez vous, et je trouve que vous l'amenez très bien, comment vous, comme personne, comme individu, vous commencez à questionner, par exemple, le rôle et la présence de l'Église catholique, le rôle auquel les femmes sont obligées. Mais je trouve que vous ne le faites pas d'un point de vue théorique ou de haut, vous le faites comme si c'était vraiment le témoignage d'une jeune femme qui découvrait ça au jour le jour dans sa vie. Mais c'est bien comme ça que vous l'avez vécu. Évidemment, moi, je ne pourrais jamais vivre ça de cette manière, étant un homme et étant d'une autre génération. Mais vous avez tenu à garder cette espèce de posture très, très personnelle, très intime pour parler de grands élans collectifs. C'est un peu... J'ai pas fait de plan. J'ai pas raisonné, j'ai pas dit j'aurai une posture. J'ai écrit ça comme je le sentais, comme moi je l'ai vécu. Puis, c'est ça. Excusez-moi. C'est aussi simple que ça. J'ai pas voulu écrire comme j'ai écrit là. Et vous le terminez avec une fable. Oui, oui, oui. Ça, j'ai beaucoup aimé. Ça, je l'ai voulu. Parce qu'évidemment, et c'est pas surprenant avec vous quand on connaît votre œuvre, ces passages entre la réalité, le réalisme, la fiction, l'écriture, la littérature, vous êtes, j'ai le sentiment, vous avez toujours eu beaucoup de plaisir, de facilité. Ça a dû être difficile à écrire par moment, bien sûr. Mais je sentis que vous êtes vraiment comme un maître ou une maîtresse de ces nuances entre la fiction, la vérité, la réalité et le réalisme. Et de terminer avec cette fable, je trouve que c'est un très beau moment et je trouve que ça vous représente finalement très bien. Merci. Pour ça, vous avez vraiment fait le choix de dire « Non, je veux que je termine en conviant, en invitant ces figures féminines et masculines dans une espèce d'épiphanie. » Je ne savais pas comment finir. C'était mon problème. Comment je finis un livre comme ça? Je ne veux pas faire de conclusion. Comment je vais finir? Puis un matin, je me suis levée puis j'ai eu un flash. Je me suis dit, ça va être un épilogue en forme de fable. Puis j'ai eu, comme ça se passe quand on écrit les deux, trois premières phrases. Et j'étais tellement contente de pouvoir dire librement, à cause de la fable, tout ce que je pensais. Enfin, tout ce que, même si c'était farfelu, même si... C'est très émouvant. C'est émouvant? La femme de la fin, toutes ces écrivaines décédées. Oui. Moi, j'ai... Oui. C'est des pages magnifiques. Je vais essayer de vous en lire quelques-unes. L'instant d'après, mais en ces nuits-là, ce sont d'éternels instants, les garçons et moi avons tous vu en même temps un groupe de filles assises en cercle dans l'herbe. Elles semblaient soit jouer aux cartes, soit aux dés, ou encore se lire à tour de rôle des textes dont ils étaient fiers. Je reconnus Denise Desautels, Diane Régimbal, Nicole Brossard, Louise Dupré, Hélène Dorion, Martine Audette, Louise Warren et d'autres, de dos, que je ne pouvais voir. 120 sur le trottoir de la rue Sainte-Ursule, Nancy Houston, qui disait « Les filles, je veux être avec vous. Viens donc, » dit l'une alors qu'une voix clamait, « Je ne suis pas laquelle. Moi, je veux bien, mais ce qui t'attend, c'est l'ignorance et l'oubli. Le temps aura vite fait, comme pour nous, de t'effacer. Les humbles y verront. » Les humbles, on en a parlé quelques pages avant. Tu sais, avec nous, ta gloire durera ce que dure la rose, l'espace d'un... C'est là que nous entendîmes toutes et tous une épique dispute. Rosa Luxembourg engueulait comme du poisson pourri Sigrid Undset, la traitant de petite bourgeoise qui avait écrit d'excellents romans, c'est bien beau, mais n'avait jamais pris fait et cause pour les femmes, encore moins pour le prolétariat. L'autre se défendait tant bien que mal, ça bardait, jusqu'à ce que ma grand-mère Rose, par la fenêtre de sa maison, donnant un coup de cuillère à bois sur une casserole, lance « Les petites filles, arrêtez de vous chicaner. Allez vous coucher. On veut se reposer. » Sur la passerelle, se dirigeant vers nous, il était accompagné de l'ami Daniel Turp et de ses valeureux et de ses autres valeureux, Normand Baillargeon, Michel Seymour et Laurier Lacroix. Avec eux, causant, je reconnus Thierry Hensch et Gilles d'Ostalaire, et courant derrière, Régis, qui suppliait en allemand « Je veux être avec vous, je veux être avec vous. » Tous ceux-là lui ouvrirent les bras et l'emmenèrent avec eux,
même s'ils revenaient depuis si longtemps de l'outre-vie. Ces hommes de cœur, dignes fils de Don Quichotte, gagnèrent le cercle des femmes assises dans l'herbe. Monique Larue et Madeleine Monette faisant maintenant partie de l'atelier. Mes deux sœurs, Raymond et Françoise, étaient là aussi, aux côtés de notre petite sœur morte, Pauline. Et lentement, comme en une procession, avancèrent mes deux fils, puis mes quatre frères, leurs oncles, puis mes oncles à moi et mes cousins et les grands-pères, jusqu'à Jean-Baptiste, qui, l'air débonnaire mais dubitatif sous son chapeau de paille, me posa cette question : Es-tu pour l'indépendance du Québec ? À laquelle je répondis : Je suis pour l'indépendance du Québec, mais je ne suis pas nationaliste. Il avait sous le bras le Monde diplomatique, l'ouvrit et me glissa ces simples mots : Tu m'expliqueras quand on aura le temps. C'est juste à ce moment que je me retournai vers la maison. Je vis que la confrérie des humbles était partie. La lumière n'était plus allumée, c'était le matin. Et parurent à la fenêtre de la cuisine ma mère Jeanne et mes deux grands-mères Ernestine et Rose. La maison semblait grouillante des tantes et des petits. Elle semblait bien heureuse et le sourire de Jeanne, traversant son visage en demi-lune, illuminait la terre entière. C'est alors que Jeanne me fit signe, me dit de regarder à main gauche, loin du côté de l'église, trois jeunes garçons pêchant, heureux. Je reconnus mes trois petits frères, Jean-Marc, Bernard et Bertrand, qui ont toujours aimé la pêche à la truite et au saumon. Les trois derniers de la famille que nous avons adorés et que nous nommions enfants Dear Vante, le trésor et l'amour. J'ai trouvé qu'ils complétaient bien le tableau et le dit à notre mère qui, dans son éternité, souriait. Il reste un paragraphe. Un jeune homme portant un baluchon comme les quêteux d'autrefois, qu'on aurait dit sorti de nulle part, s'en alla tout droit sur la fenêtre des trois femmes, leva vers elles sa belle tête bouclée et leur dit, ingénue, « J'ai faim et je cherche un sage. » La grand-mère Rose, ou peut-être les trois ensemble, mais d'une seule voix, dirent, « Tu peux entrer. Du manger, on en a des montagnes. On est toutes de bonnes cuisinières, mais pour le reste, tu vois, jeune homme, jeune ange, la maison, la cour et le jardin sont remplis de sages femmes. » Depuis celle qui t'a mis au monde jusqu'à elle. Mais viens donc manger pour commencer. » Et c'est comme ça que vous terminez votre récit, votre grand récit autobiographique, avec autant d'hommes que de femmes, finalement. Donc, tout ce qu'on a pu dire, donc les féministes radicales étaient contre les hommes, c'est pas votre propos à vous, ni dans ce livre, je crois, ni dans votre œuvre. Mais ça n'a même général. Pas été le propos des autres femmes non plus. Ça, c'est une caricature de nous. C'est sûr qu'il y avait des femmes très fâchées pendant l'époque où j'ai fait partie du mouvement féministe, parce que des femmes avaient été violées, par exemple, par leur père, par leur grand-père, par leur oncle. C'était des femmes révoltées. C'était des femmes qui avaient vu leur mère esclave d'un homme, qui avaient vu leur mère battue, leur mère violentée. J'ai connu des femmes qui sont arrivées dans ce qu'on appelle le mouvement féministe, là, qui était comme un grand bateau qui repêchait des femmes éclopées, des femmes meurtries. J'ai vu ça, j'en ai connu, j'en ai entendu. C'était pas qu'on était contre les hommes, c'est qu'on a eu besoin d'un lieu pour dire, un lieu, pour dire entre nous ces drames-là, ces choses-là qui avaient été vécues. Comment vous voulez, j'en ai connu des femmes de mon âge qui ont... Moi, bon, j'ai eu le bonheur, la chance de ne pas avoir été violée. C'est absurde que ce soit une chance. Oui, c'est vrai. Mais il y en avait. Comment vous voulez qu'elles n'aient pas été révoltées? Quand c'est tout ce qu'elles avaient connu de la gente masculine, ces femmes-là, il fallait qu'elles s'expriment, elles se sont exprimées. Mais ce n'était pas contre les hommes. On avait des textes. Moi, j'en ai écrit aussi pour bon, nos pères, nos grands-pères, nos oncles, je le dis là-dedans, nos fils. On ne peut pas détester tous les hommes quand on a mis au monde des fils. Mais c'était très dur dans le mouvement féministe. Un jour, je me suis fait dire à la... C'était la librairie des femmes d'ici, sur la rue Rachel à Montréal. Il y avait des radicales féministes, puis il y en a une qui m'a demandé « T'as eu des enfants? » J'ai dit « Oui, t'as eu des filles ou des garçons? » J'ai dit « J'ai eu deux fils. »
Puis elle a dit, comme ça, t'as introjecté le désir phallique. J'ai failli tomber en bas de mon... on était sur... c'était trop haut pour que je tombe, là. Des espèces de... comment on appelle ça? Des tabourets. Tabourets, oui. J'ai dit, non, mais c'est pas vrai, tu penses pas ça, vous pensez pas ça. Oui. Puis la chicane a... poigné, comme on dit. Puis jusqu'au moment où je leur ai dit, bien, il y a une ruelle, si tu veux, on va sortir, j'appelle mes frères, puis on va se battre. J'appelle mes fils. Mes fils, mes frères. Ça a été des années dures, mais il faut comprendre. Et marquer cette souffrance-là, elle est malheureusement, bon, au Québec peut-être moins, mais dans tant de pays du monde, elle est encore tellement présente. Tellement. Et quand vous avez écrit, je m'appelle Bosnia, il y a moins d'une dizaine d'années, on plonge encore dans ce même univers d'une violence extrême, faite non seulement aux femmes, mais aussi aux hommes, qui est celle de la guerre, mais dont les femmes Absolument. Sont souvent plus les victimes. Moi, souvent, on m'a dit, pourquoi tu es encore féministe? Ou je suis encore féministe, et j'espère que les hommes autour de moi le sont aussi. Prennent fait et cause aussi pour les femmes violentées dans le monde. Moi, je me dis, tant qu'il y aura des femmes qu'on empêche d'étudier, qu'on empêche d'aimer librement, soit des femmes, soit des garçons, tant qu'il y aura des pays qui vont soumettre les femmes, puis il y en a encore beaucoup, oui. On connaît l'Afghanistan, on connaît le Pakistan, il y en a d'autres, bien, tant qu'il y en aura un de ces pays-là dans le monde, moi, je serai encore féministe, puis je dirai encore non. Puis je crois que pour moi, il n'y a pas juste mon petit jardin qui compte, puis ma petite maison, mon petit village, puis mon petit pays. La terre est mon jardin, rempli d'hommes et de femmes qui ont besoin d'être heureux. C'est tout. C'est tout. On ne peut pas battre les femmes. On ne peut pas les violer. On ne fait pas ça. Donc, le militantisme fait toujours autant partie de Toujours, de votre il faut. Vie. Mais ça ne veut pas dire sortir avec des fusils. Ça veut dire le dire non, nous ne le prenons pas. La façon avec laquelle vous traitez les femmes. C'est tout. Le dire. Pendant le printemps érable au Québec, oui. Il y a aussi, bon, vous en parlez, vous écrivez oui. là-dessus dans Depuis toujours, vous sembliez particulièrement fière ou heureuse ou motivée de voir la jeunesse, et pas seulement la jeunesse, d'ailleurs, de voir ces milliers de personnes dans les rues à Montréal. C'était tout près de gens, ils passaient dans les rues, tout près de chez vous. Oui. Pour vous, ça a sonné comme un moment important au Québec récent? Oui, c'était important qu'une jeunesse se réveille et puis qu'il y ait autant de filles que de garçons dans le mouvement. Parce que quand moi, j'étais jeune, les mouvements étaient habités, dirigés, dominés par les hommes, pas par les femmes, alors que là, c'était en collégialité entre les filles et les garçons. J'étais contente de voir ça. Ah, tout à l'heure, en arrière, bon, on parlait bien sûr, et autant Christine que France, vous avez dit que vous aviez lu depuis toujours, et vous avez, j'imagine, autant que moi, apprécié ce livre. Christine, vous avez quelque chose à nous en dire? Moi, j'ai beaucoup aimé, mais j'ai aimé retrouver des gens là que j'aime beaucoup, comme Annie Leclerc ou ça, Jeanne Lapointe. Et de toute façon, c'est un parcours incroyable que vous avez eu. C'est très rare. Il y a peu de femmes qui écrivent leur autobiographie. Il y a peu d'écrivaines qui écrivent leur autobiographie. Oui, il n'y en a pas beaucoup. Non. Oui. Vous, France Daigle, vous avez lu? Oui, surtout que tu as passé quelques années aussi en Acadie. Alors, j'ai aimé ces pages-là où vous avez parlé du Collège Notre-Dame d'Acadie et des femmes que vous avez rencontrées en cours de route. Et je connais ça de chez moi, mais je suis une génération plus tard. Alors, je ne les ai pas connues comme vous. Mais oui, il y avait beaucoup de choses intéressantes à lire dans ce livre-là, en fait. J'en ai fait un petit commentaire d'ailleurs d'un journal chez nous. Oui, ma sœur me l'a dit. Elle habite Moncton. Elle a dit France Daigle. Elle a dit un bon mot de merci beaucoup. J'ai beaucoup aimé mon séjour acadien. J'ai vécu 4 ans. J'ai appris une espèce de joie de vivre, un sens de l'hospitalité et de la fête en Acadie, comme je n'ai jamais vu ailleurs. Jamais. Vous, Christine, aussi, vous avez vécu, vous avez étudié aussi en Acadie ou une partie de votre jeunesse? J'ai vécu de l'âge de 2 ans à 20 ans. Okay. Et ma première formation en littérature, je l'ai eue là-bas.
très, très bonne formation aussi. Vous... Au collège? Moi, c'était au collège de Bathurst. De? Bathurst. Ah oui, à Bathurst. Vous étiez à Moncton et France aussi a étudié à Moncton, je pense. Mm-hmm. Mais dans le Nord, on avait des bons profs aussi. Nous avons un trio d'Acadiennes, donc, ce soir, qui se réclament de l'Acadie. Et je vais me tourner vêtement un peu plus vers France d'Aigle, ce qui vous empêche pas, Madeleine Gagnon, d'intervenir, au contraire. Et même chose pour Christine. Bon, j'anime cette rencontre, mais je veux que ce soit aussi une conversation. Je voudrais reprendre dans ma pile ici. Il y en a. Donc, on a publié. Donc, cette année, une réédition de vos trois premiers livres. Donc, Sans jamais parler du vent, Film d'amour et de dépendance, Histoire de la maison qui brûle. Donc, ils sont parus chez Prise de parole. Donc, c'est des titres qui étaient parus, j'imagine, d'abord aux éditions d'Acadie. Aux éditions d'Acadie, oui. Quand cette maison a disparu, ça a créé un vide, j'imagine, assez important chez vous, dans la communauté littéraire et des écrivains en Acadie. Oui, mais finalement, ça s'est un peu renfloué là, par... Il y avait quand même une autre maison d'édition qui existait, qui elle a pris un peu d'ampleur. Ça s'appelait les éditions Personnage. Oui. Et moi, ben, j'avais déjà été invitée par des maisons d'édition au Québec. On m'avait fait signe comme quoi si je voulais, on était intéressé. Alors quand j'ai toujours publié aux éditions d'Acadie jusqu'à ce qu'ils déclarent faillite et ensuite je suis allée au Québec. Pour sûr, ouais, chez Boréal. Et donc maintenant, ces trois livres qui sont publiés chez Prise de parole qui est en Ontario. Mais ce qui m'a intéressé, c'est des romans ou de la poésie? Ben voilà. On a le même problème. On me disait, pour moi, c'était des romans parce que je voyais bien le déroulement et je voyais bien les personnages et tout ça, mais les personnages n'ont pas de nom, les pages ne sont pas pleines. Il y a beaucoup d'espace blanc. Beaucoup d'espace blanc. Alors, on me disait toujours, j'ai lu ton recueil. Je disais, ah bon, oui, ah, c'est le fun, ces livres-là, on peut ouvrir n'importe où et lire n'importe comment. Je pensais, ah oui, mettons, mais tu sais, normalement, tu commences au commencement, là. Voilà, ça fait que j'ai fini par remplir mes pages, au moins pour donner un peu de direction, là. Vous les avez, évidemment, vous les avez relus, vous avez retravaillé pour les rééditer ou non, pas tellement? Non, pas du tout. Donc, pour vous, c'est du travail, c'est le passé. Ah, c'est terrible. Terminé. Plus j'avance, moins j'ai envie de regarder qu'est-ce qui est venu par derrière. C'est drôle, hein? Votre trajet est plein d'humanité, mais plein d'intérêt pour les formes, plein d'intérêt pour le jeu littéraire, pour la structure. Bon, je ne suis pas encore rendu à pour sûr, là. Parlons des œuvres précédentes. Il y avait vraiment eu... Et donc, autant au moment où je me rappelle, moi, bon, quand j'ai découvert l'écriture des femmes, je l'écrivais en même temps la nouvelle écriture au Québec, mais là, j'ai l'impression que je me tourne vers vous. Vraiment, vous êtes tombé dans ce qu'on appelait alors la nouvelle écriture, ce qui avait une préoccupation justement pour la forme et la structure. Oui. Je pense que je n'ai pas la mentalité pour écrire une psychologie qui dure plus que 3 paragraphes. OK. Alors, je suis obligée de construire mes choses. Et vous y construisez, mais c'est vraiment construit d'avance, là? Je sais d'avance qu'il faudra que je construise parce que je ne pourrais pas inventer une vie. Il faudra tout que ça s'emboîte d'une manière ou d'une autre. Alors, quand vous écrivez maintenant, plus tard, 1953, Chronique d'une naissance annoncée, qui est l'année de votre naissance, évidemment, à partir du moment où on se rend compte que c'est l'année de votre naissance, on peut le lire différemment. Mmh. On sait que vous avez travaillé ensuite, plus tard, vous avez été journaliste à l'Évangeline. Mmh. Il y a beaucoup de questions de l'Évangeline dans ça. Il y a une relation entre tous ces jeux de structure ou ces jeux de forme qui vous appellent. Il y a aussi quand même une volonté de vous investir personnellement dans ces livres. Oui, on fait ce qu'on peut. Mais vous le faites bien. Mais je veux dire que je ne sais pas si on choisit. Moi, je trouve drôle quand les gens, les auteurs vont écrire. On sait très bien que c'est leur histoire, mais ils ont mis toutes sortes d'autres noms. Ils ont essayé de dissimuler ça quand, au fond, je ne sais pas qu'est-ce que ça donne de plus. Donc, là où je ne sentais pas le besoin d'inventer, j'ai mis ce qui était. Et là où il fallait que j'invente, j'ai essayé de
d'ajouter et construire. C'est pour ça que je dis, il y a une partie de tout ça qui vient de mon cru et de mon vécu. Et le reste, ben, c'est comme de l'échafaudage. Là. Mais qu'est-ce qui vous disait qu'ici, il faut que j'invente? Qu'est-ce qui arrivait pour... Ben, c'est... Comment ça se passait? Oui, c'est une bonne question. C'est comme si quand... Moi, quand je lis des livres qui tiennent, là, où l'histoire se tient du début à la fin, je trouve ça fantastique. Parce que moi, dans ma vie, ça ne se tient pas nécessairement comme ça. Oui, c'est ça. Tu sais, il y a une continuité, mais est-ce que c'en est une qui fait du bon sens? T'sais, je ne sais pas. Là. On pourrait regarder ça de toutes sortes de manières. Alors, je trouve ça un peu faux quand on écrit puis tout a l'air de faire du bon sens. Mais peut-être qu'au fond, dans votre écriture discontinue puis fragmentée, vous êtes plus fidèle à votre vie que oui. Ceux qui se disent réalistes par rapport à... Je ne sais pas, mais moi, c'est comme ça que je peux être plus honnête, plus vrai. Je peux y aller par petits morceaux, puis bon, ça c'est vrai dans la mesure où je peux le dire, là. Mais puis, je ne sais pas, j'ai pas le regard analytique. C'est une manière de dire, mais je sais pas, ça me fascine, moi, quelqu'un qui peut écrire un personnage 200 pages sur la vie d'une personne. Je veux dire, moi, si je comprends 25 pages de ma propre vie, c'est merveilleux. Je pourrais pas... Alors, c'est ça, je trouve que c'est comme une autre sorte de talent que les gens ont. Moi, des fois, j'ai l'impression que j'écris par... pas par manque, mais j'écris comme je peux parce que je peux pas faire autrement. Qu'est-ce que j'ai... Vous avez une citation de Coetzee que vous avez en exergue du chapitre 12 de Pour sûr. Nous écrivons parce que nous ne savons pas ce que nous voulons dire. Mmh. Écrire nous le révèle. Mmh. C'est un peu exactement. On me dirait, assieds-toi et écris un livre, ben, je ne saurais pas tout où commencer. Et donc, votre matière, au-delà du mot et de la langue et de la littérature, c'est la vie dans toute son éclat. C'est la vie, c'est des petites choses, des petites circonstances. Bon, par chance, je suis tombée sur les personnages de Terry, Carmen et leurs enfants. Bon, ben ça aide beaucoup. Je ne sais pas s'ils ont de la psychologie, mais je peux les coincer avec... Je peux savoir qu'est-ce qu'un parent réagit ou comment un enfant va réagir. Alors, je peux faire advenir des choses, mais... Moi, j'ai trouvé ça très intéressant, comment l'histoire de la famille, de cette petite famille-là, insiste pour revenir, parce qu'il y a des grands passages sur la langue, le ci, le ça, bon... Et puis, tout à coup, pouf, ils reviennent, la famille. Oui. Comme si le roman normal faisait signe. Oui, hein, oui. Il y a des... C'est très... Moi, j'ai trouvé ça intéressant. Ça m'a fait penser à Joyce. James. Hein? Joyce. Mmh. C'est bien, hein? Oui. Moi, ça m'a fait... Moi, j'ai pensé beaucoup à la vie mode d'emploi, à Pérec. Où il y a une distance énorme. Mais qui nous raconte avec un tel souci encyclopédique et à tout son travail... Oui. C'est toi, c'est ces références-là. C'est Christine, vrai. Vous l'avez lu en deux jours. Il y a quand deux même. Jours. Deux jours et demi. 900, oui. 750 pages. Oui. Et j'ai éclaté de rire. C'est un livre. À la qui fin. M'a, à plusieurs moments, c'est parce que pour ceux qui ne l'ont pas lu, je ne veux pas tout vendre, mais il y a beaucoup de choses. Ben, tout vendre, c'est difficile. Mais à un moment donné, il y a un personnage qui tombe enceinte. Et elle donne rendez-vous à l'auteur France Daigle au golf. Puis elle s'assoit avec elle, puis elle lui dit, c'est pas vrai, je suis pas enceinte. Tu vas pas me refaire une autre grossesse là, pense-y là. Donc c'est un dialogue entre l'auteur et le personnage. Oui. Mais il y a eu un million de moments où... Oui. Si on aime la langue française, je trouve que c'est un livre qu'il faut absolument lire. Oui. Je vais m'essayer moi d'ailleurs à lire un extrait. Justement, une de ces rencontres d'un des personnages avec l'auteur. En fait, je m'essaye parce que c'est plein de chiac. Vous allez vite comprendre que je ne suis pas acadien. Comme, sais-tu quoi ce qui va nous arriver, puis ça? Il y avait longtemps que je ne m'étais pas assise avec Terry pour jaser un peu. Pas vraiment. Come on, tu dois savoir.
En réalité, je n'avais rien de particulier en tête. Cela se jouait au jour le jour. Mais sa curiosité me faisait sourire. J'ai déjà entendu ça des écrivains dire que c'est les personnages qui finissent par prendre au vœu l'histoire. Ben, c'est dur à croire. Je veux dire, l'histoire ne tombe pas du ciel. Il faut que quelqu'un y pense. Parce que, veut, veut pas, faut-il qu'il y ait un mind en arrière de ça, non? Oui, c'est vrai. Mais je pourrais pas te dire comment est-ce que ça marche vraiment. On est des avatars de toi, c'est ça? Il n'avait pas tort. Oui, d'une manière. Excepté que vous êtes mieux que moi. Ça, c'est parce que tu nous embellis, qui est kind of nice de ta part, by the way. Je devais y réfléchir. Est-ce que je les embellissais vraiment? Je crois juste que je suis un filtre. Je fais ma job de filtre. Terry semblait apprécier cette image. Quoique, still, tu dois savoir qu'est-ce qui va nous arriver, hein? Qu'est-ce que tu veux savoir au juste? Je vais-tu être dans le trouble avec Carmen à cause du stock market puis ça? Son inquiétude me fit sourire. Je décidais de lui donner un peu de répit. Non, pas vraiment. Une vague de soulagement submergea Terry. Ben, traîne pas trop à y dire, là, puis oublie pas sa fête. Terry sourit. Puis je crois bien que tu me diras pas ce qu'est-ce. Ah, c'est là que je m'enfarge à chaque fois dans celle-là. Puis je crois bien que tu me diras pas qu'est-ce qu'il cache. Mais aussi, t'es dit, non, non, oublie cette question-là. Ce serait vraiment pas fair. C'est juste qu'elle est vraiment pas aisée à sweet talker. Je reconnus là le bon sens de Terry. Puis je vis l'heure, constater mon retard. Tu t'en vas déjà? Tu viens juste de t'assir. Faut que j'aille chez l'optométriste. Je voulais juste acheter du café en passant. Il eut sincèrement l'air de regretter mon départ. Cela me brisa un peu le cœur. En m'en allant, je me demandais s'il était normal de préférer des personnages aux vraies personnes. Ça, c'est profond, cette dernière phrase-là. Vous aimez mieux les personnages que les vraies personnes? Ben, ceux-là sont pas mal... sont intéressants. Tu sais qu'avec toute la commune, toute la philosophie qui anime ça, la librairie, le bar, hein, il y a une vie. Mm. On est au cœur de lui-même, en même temps, on est au cœur de la culture. Et ce qui est au cœur de tout ça, je trouve aussi, ben, vous en avez parlé un peu, Madeleine Gagnon, vous l'avez évoqué, toute cette réflexion sur la langue, sur le chiac, c'est quelque chose qui n'est pas du tout dans vos premiers livres, qui est apparu ensuite et qui est maintenant vraiment au cœur de votre travail. Mm-hmm. Oui, non, c'était pas là du tout au début parce que... Chez nous, puis dans beaucoup de milieux en Acadie, on luttait pour garder notre français. Et la bonne chose à faire, c'était de bien parler et de bien écrire. Et toutes ces langues populaires, ou je ne sais pas comment on appelle ça, les dialectes, en tout cas, et moi, dans ma famille, c'est sûr qu'on ne s'en allait pas vers ça du tout, là. Et même que j'ai écrit 5 ou 6 livres sans dialogue, parce que je savais très bien que si je devais mettre du dialogue, il faudrait qu'il y aurait du chiac. Je voyais pas du tout comment faire autrement. Et je sentais déjà qu'il fallait, vraiment, il fallait que je brise un tabou, ne serait-ce que familial. Et un tabou, une sorte d'engagement que j'avais avec moi-même de me permettre d'écrire en chiac. Mais je me permets un exemple connu. Antonine Maillet l'avait fait. Oui, mais c'est ça. Le problème ici, c'est que le chiac a aussi évolué, je ne sais pas, mais en tout cas, il s'est changé. Puis aujourd'hui, il contient beaucoup d'anglais. Antonine Maillet, c'était encore du... vieux français. Il y a encore plus de vieux français. Plus de moyen français, oui. Tandis que quand on parle du chiac, on parle du sud-est du Nouveau-Brunswick, région de Moncton et tout. Et c'est sûr que le frottement avec l'anglais, on le sent beaucoup. Et ça... Je ne sais pas si ça gagne du terrain, parce que des fois, quand j'ai beaucoup écouté les gens pendant que j'écrivais ce livre-là, et je me rendais compte que, bon, il y avait quand même beaucoup de gens qui parlaient bien et presque mieux que j'aurais pensé. Mais il y a aussi, il y a tous les degrés. Il y a du gros chiac, du petit chiac, du soft, hard, tu sais, il y a toutes les doses, puis... Alors, c'est ça. J'ai essayé de rendre compte de tout ce nuancier. En même temps, vous rendez compte, dans tout cas de votre part, d'un grand amour pour la littérature de toutes les époques. Je pense à toute cette série de textes
sur la bibliothèque idéale, ouais, par exemple, ouais, ouais, que vous reconstruisez. Mm-hmm. Je pense à ces définitions de votre fictionnaire. Mm-hmm. Mm-hmm. Donc, il y a vraiment un intérêt 360 degrés pour ouais, la langue ou les phénomènes mm-hmm, de la langue. Mais quand j'écrivais ça, j'étais pas sûre que quelqu'un voudrait le publier, là. Je me disais, je veux dire, j'aurais compris qu'un éditeur me dise, bon, ben c'est bien beau, là, mais c'est comme trop, là, on ne voit pas trop ce qui va rentrer là-dedans, là. Tu sais, mais j'avais tellement besoin de l'écrire, je le sentais tellement que je me suis dit, bon, ben je vais l'écrire, puis on verra après. Alors, finalement, des fois, il faut vraiment risquer. On peut aller peut-être même plus loin qu'on pense dans l'écriture. C'est un drôle de jeu, finalement. Puis votre point de départ, c'était quoi? Là, évidemment, là, les gens qui ont, il y a des gens qui ont lu le livre, peut-être, ou qui le connaissent, ou qui en ont entendu parler, parce qu'on a quand même pas mal entendu parler depuis sa parution en 2011 ou 2012. J'avais gagné le prix du gouverneur général en 2012, il est peut-être paru à fin 2011, enfin. Ouais. Donc, c'est un roman qui est construit à partir du chiffre 12. Oui, 12. C'est pas mal votre point de départ. 12 fois 12. 1728 fragments. Et comme je l'écrivais, maintenant, j'appelle ça une sculpture littéraire. Bon, je sais comment inventer ça, là. tout ça pour dire que moi, je voyais le bâti, le construit. Je voyais comment tout ça s'assemblait. Et comme les gens me disaient, est-ce que tu écris un roman? Ben, ou tu écris ton roman? Puis je disais, ben oui, roman. Je savais pas trop comment l'appeler. Et c'est sûr que je trouve que c'est quelque chose qui prend de la place. Quand on est dedans et de la manière qu'il est écrit, on dirait qu'on circule, on se promène, on voyage un petit peu d'un univers à un autre. Et c'est ça, j'avais décidé de faire ce voyage, 144 sujets avec chacun 12 entrées et que tous les chiffres... Il y a des chiffres au bout de chaque passage qui fait un peu Bible. Ça, c'est mon côté un petit peu prétentieux. En riant, là, je voulais que ça soit comme une sorte de Bible, mettons. Donc, tout à l'heure, j'ai lu le 1586e fragment, qui était le quatrième texte du 101e sujet. Donc, c'est bien possible. C'est écrit. Bon, c'est beau, c'est beau. Et aussi beaucoup, parce qu'on a l'impression... J'ai beaucoup d'intérêt pour la psychanalyse, la psychologie des profondeurs, donc vraiment pour aller au cœur de l'être et du sujet. Et bon, on vous entend tout à l'heure parler de structure, d'idées, de projets, mais dans le fond, il y a un souci constant aussi de profondeur, de chercher, vous cherchez quand même. Oui, il y a un intérêt, il y a une curiosité, il y a, je veux dire, tout ça. Mais c'est comment tout ça se tient? C'est quoi la clé pour faire que tout ça se tient comme il faut? Moi, je ne sens pas que j'ai la clé. Je peux exposer que je vois là qu'il y a des morceaux, mais je n'ai pas la... Ben, je ne sais pas si quelqu'un a ça, là. Chacun s'essaye à faire tenir ça ensemble. Mais il y a des clés qui viennent de livres précédents. Ah oui, comme entre oui, autres une autre citation que j'avais trouvée ici, que je trouvais justement sur le chiffre 12-12-12. Donc, c'est le fragment 125, sixième texte du sujet 11, qui est un extrait du roman Papyr de l'Acadienne France d'Aigle, copyright les éditions du Boréal 2002. Produit des trois plans de l'espace par les quatre points cardinaux, le chiffre 12 symbolise la complexité interne du monde en même temps que la voûte céleste divisée en 12 secteurs, les 12 signes du zodiaque. On retrouve sa force symbolique dans toutes les grandes civilisations, mais aussi chez des peuples moins connus comme les Dogons et les Bambara du Mali, pour qui le 3 et le 4 correspondent aux principes mâles et femelles, donnant par addition le chiffre 7, statique, et par multiplication le chiffre 12, dynamique, représentant le perpétuel devenir de l'être et de l'univers. Nombre d'actions, le chiffre 12 représente l'accomplissement et le cycle achevé. On le retrouve souvent dans les Écritures saintes des Juifs et des Chrétiens, où il symbolise la perfection. Multiplié par lui-même, le chiffre 12 mènerait à la plénitude et au paradis, rien de moins. Donc, 12 par 12 par 12 vous mène, vous, à une plénitude littéraire, on peut penser. Oui.
Oui, et c'était le point de départ. C'était comme, ah, ben, c'est intéressant, cette idée d'aboutir à la sérénité, là. Mais c'est sûr qu'après 10 ans, de 50 à 60 ans, ben, c'est peut-être normal d'aboutir à une certaine sérénité. Que le livre soit écrit ou pas, là, je ne sais pas. Mais en tout cas, ça vous a pris une dizaine d'années, donc. 10 ans. 10 ans, ah oui. Qu'est-ce qu'on écrit après ça? C'est ça le problème. On dirait que tout ce que j'essaye, c'est off. On dirait que c'est petit, c'est off. Ouais. Mais je ne ferais pas ça, là. Je veux dire, j'ai adoré ça, mais à la fin, j'avais peur de mourir avant de l'avoir fini. Mm-hmm. Puis là, je me disais, ah, ben, si je ne l'ai pas fini avant de mourir, là, c'est, là, j'avais vraiment hâte de le finir. Les deux dernières années, là, c'était... Parce qu'à ce moment-là, j'avais appris que tout le monde, ben, en tout cas, une personne sur 10 se promène avec un anévrisme non éclaté, là. Écoute, ça peut bien arriver à n'importe qui. Là, je me disais, mon Dieu, s'il faut que j'aie un anévrisme qui éclate puis j'ai pas fini mon livre, là, je trouvais que je me faisais prendre. Quelles sont vos sources littéraires, vos inspirations quand vous avez commencé à écrire? Je lis de tout. Oui? Et j'aime... J'ai pas une grande culture littéraire dans le sens que j'ai pas fait des études exhaustives en littérature. J'ai fait un baccalauréat, j'ai fait des études en littérature à ce niveau-là. En fait, je suis un peu autodidacte. Mm-hmm. Mais avec tous les trous que ça comporte. Et avec les à côté inattendus que ça apporte aussi. Donc, c'est ça. C'est un petit peu de... Des fois, je me dis, j'aimerais pas recommencer, mais presque recommencer et lire les choses dans l'ordre. Je suis sûre que j'ai lu des livres à 20 ans que j'ai pas compris parce que c'était pas le temps, puis je pouvais pas les comprendre. Puis que c'est ça. Alors, il y aurait peut-être lieu de refaire ça. Mais en fait, je crois que j'étais trop têtue pour faire autrement. Ça fait, je l'ai fait comme je pensais que je devais le faire. Mais quand vous avez écrit, par exemple, je ne sais pas, Sans jamais parler du vent ou ses premiers titres, vous connaissiez les écrivains d'avant-garde, soit la nouvelle écriture au Québec ou telle de quelle non, en France? De non, j'avais sans doute lu un peu, mais vraiment, ce contre quoi, pas contre quoi je me battais, mais c'est que chez nous, en Acadie, tout le monde écrivait de la poésie. Il y avait eu très peu de romans. Il y avait eu Antonine Maillet, et même là, on n'avait pas encore... Ben, on avait écrit quelques-uns. Mais la plupart des écrivains écrivaient de la poésie, et c'est comme si qu'il fallait un peu passer par la poésie avant d'arriver ailleurs. Ça fait que moi, je me débattais, j'essayais de faire mes romans, mais sans trop savoir comment, et tout en essayant de me glisser dans la littérature de chez nous... Alors, c'était tout un autre... C'est un autre univers que ce que vous viviez au Québec. Moi, j'ai l'impression, d'une certaine manière. On était comme dans une autre étape au niveau de l'évolution de la société, puis de, ne serait-ce que de survie de la langue, d'éducation, ouais. Tout ça. C'était tout un autre... Mais c'était vraiment une période manche. D'affirmation de la culture acadienne, oui. de la sauver oui. et de l'affirmer. Oui. Bon, l'année dernière, peut-être certains l'ont trouvé tout à l'heure, Herminé Gilles-Chiasson est venu ici et mm-hmm. nous a parlé beaucoup de comment cette période-là était vraiment la période de l'affirmation. Justement, après Antonine Maillet, comment il fallait que l'Acadie moderne se mette au monde, existe et que c'est des oui. écrivains ben, c'est comme ça. Vous qui avez contribué à faire ça. Mm-hmm. Vous, Madeleine Gagnon, lorsque... Vos références, vos sources, quand vous étiez jeune, parce que là, on a parlé un peu des références et des sources d'inspiration, vous, les vôtres, elles étaient lesquelles? Bien, c'était beaucoup... À l'école, bien, c'était la culture française. On lisait... Il n'y avait pas encore de littérature québécoise qui existait quand moi, j'étais jeune. Et puis, on avait dans la bibliothèque de ma mère, parce que c'était ma mère qui était la liseuse, de livres de fiction, c'était beaucoup des prix qu'elle avait reçus ou que mes tantes avaient reçus à l'école ou que nous, on recevait à l'école. Ça, c'était de la littérature québécoise. Mais on ne disait pas encore littérature québécoise. C'était de la littérature canadienne-française, on disait.
qui n'étaient pas à l'index. Est-ce que vous aviez, est-ce que vous lisiez les livres qui étaient à l'index? Est-ce que votre famille était à l'index? C'était, je les ai lus en Acadie. C'était Antonine Maillet qui. C'est Antonine Maillet qui était ma prof au Collège Notre-Dame d'Acadie, qui, quand on était assez grande et qu'elle jugeait assez mûre, qu'on était assez mûre, elle nous ouvrait sa petite porte avec les livres sous clé. Et c'est là que j'ai lu les premiers livres à l'index, puis je ne comprenais pas pourquoi c'était à l'index. Parce que je voyais rien de péché là-dedans. Les nourritures terrestres, c'était supposé être épouvantable. Ouais, une saison en enfer, je pensais que j'allais rigoler une saison en enfer. C'était rien du tout pour moi. C'était pas ça l'enfer. Bon, enfin, je sais pas si je réponds, mais il y avait quelque chose qui s'appelait la littérature canadienne-française, mais on ne parlait pas de littérature acadienne à l'époque. Mais de littérature canadienne-française. Par exemple, on lisait une de perdue, deux de retrouvée. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. L'année dernière, j'ai fait une longue recherche pour savoir qui avait écrit ça, puis quand. C'était après la révolte des patriotes. Okay. Et c'était un patriote. Bon, là, j'ai un blanc, j'oublie le nom. Comment? De Boucherville, c'est Georges Boucher de Boucherville. Qui ont été exilés aux États-Unis, oui. Ceux qui n'ont pas été pendus. Et puis, lui, aux États-Unis, s'est inspiré des histoires du sud des États-Unis, des histoires fantastiques, pour écrire son... Je l'ai dit tantôt. Une de perdue. Une de perdue, deux de retrouvée, c'est ça. Ça, c'était ce genre de livre-là qu'on lisait quand j'étais jeune. Et là, tout à l'heure, France Deck disait qu'elle, quand elle voulait écrire des romans, entre autres, en réaction un peu au fait que, bon, les gens écrivaient tous de la poésie à ce moment-là en Acadie. Vous avez commencé par la poésie, vos premiers? Il y a eu Les Morts Vivants qui a été votre premier livre, qui Mon était premier des livre, nouvelles. Ça a été des nouvelles. Mais ce que vous disiez pour la poésie, c'était vrai chez nous aussi. Chez nous. Mm-hmm. Au Québec, oui. Au Canada français, les gens commençaient par écrire de la poésie. Mais j'ai lu quelque part qu'une littérature nationale ne peut naître que si on a des poètes. Il faut d'abord des poètes et ensuite arrivent les prosateurs, ceux qui font du théâtre. Ça se peut parce que c'est très proche de l'oralité, la poésie. Une littérature est d'abord orale, des contes, ici au... Au Canada français, au 19e siècle, c'était des contes. Oui. Il y avait l'oralité dans les familles. L'oralité, dans les puis après, ça a été de la poésie. Puis le premier roman ici a été publié en 1861. C'était. L'influence d'un livre, non? L'influence d'un livre, c'est 1831, j'aurais dû le dire avant, oui. 1861, c'est Angéline de Montbrun. Oui. Ah non, c'est pas vrai, c'est les anciens Canadiens. Les anciens Canadiens, tu fais découvrir ça. Premier Très roman beau. Psychologique. Angéline de Montbrun, c'était le premier roman psychologique. Mais les anciens Canadiens, c'est à lire. Tout le monde devrait lire ça ici pour nous comprendre. Parce que c'est basé sur l'histoire de la conquête. C'est la toile de fond, c'est l'histoire de la conquête. Et c'est une façon de nous lire, de lire comment on a vécu dans notre imaginaire après la conquête. Donc, c'est ce que je pensais que vous vouloir faire. Il faudrait recommencer dans l'ordre. Oui, dans l'ordre. Recommencer avec les anciens Canadiens en ce qui concerne le Québec. Vous, Christine Eddy, qui avez une jeunesse d'origine française, québécoise, acadienne. Un père libanais aussi. Pardon? Un papa libanais. OK. Vos références, vos sources littéraires, elles viennent d'où? Et on en arrive à vos romans dans deux minutes, là. Je suis un peu comme France, je ne sais pas où les deux. Moi, je lis n'importe quoi aussi. N'importe quoi. Un peu comme la musique. J'écoute n'importe quoi. Parfois, j'achète un livre à partir de la couverture, à partir du titre. Rarement à cause d'une critique ou d'un prix littéraire. Mais, Donc, vous fréquentez les librairies, les bibliothèques et vous y allez plus les librairies. À l'odeur. Oui. Mais je sais pas, moi j'ai grandi à Bathurst où il n'y avait pas de librairie francophone.
où il y a eu une bibliothèque publique l'année de mes 13 ans. Mais j'ai eu la chance de vivre dans une famille où mes parents ont beaucoup, beaucoup valorisé la lecture. Et ils se sont débrouillés pour nous trouver des livres, surtout pour ma sœur et moi. Et mon plus beau souvenir d'enfance, c'est ma grand-mère française qui a envoyé une énorme malle contenant tous les livres qui avaient appartenu à ma mère quand elle était petite. On en a eu pendant un an et ça a été une année magnifique. Après, c'est difficile à dire, j'ai eu la chance aussi de faire mon secondaire à Saint-Basile, près d'Edmundston, 2 ans. Et là, je suis tombée sur une prof de littérature, une religieuse, parce que je lisais comme une boulimique. Mais tout à coup, cette femme-là, en fait, c'était avec Verlaine, mon premier bouleversement littéraire, c'était avec Paul Verlaine. J'avais 15 ans et elle nous a expliqué. Enfin, j'ai découvert qu'il n'y avait pas juste des histoires dans les mots, mais qu'il y avait une façon de lire un texte, puis un sous-texte, puis d'entendre la musique. Et je ne peux pas vous dire qu'à 15 ans, je suis devenue très éveillée au plan littéraire, mais tout de suite, j'ai su que j'étudierais en littérature. Puis ensuite, j'ai étudié au collège de Bathurst, j'ai fait mon bac en littérature. Ce n'était pas difficile pour moi de choisir une branche. Je n'aimais que les livres. Il n'y a rien d'autre qui me plaisait dans la vie. Alors, j'ai étudié en littérature où j'ai eu aussi des profs extraordinaires. Et encore aujourd'hui, vous êtes une passionnée de livres. Oui. Est-ce que vous enseignez? Non, je suis trop timide pour enseigner. Vous lisez? Vous... Oui. Je lis, c'est ça. Et j'écris, c'est ça, c'était comme mon trajet. Oui, on va y arriver. Est-ce qu'il fallait arriver à ma longue carrière? Vous avez mémorisé le kit de l'entrevue. Oui, bien évidemment, mais je voulais en arriver un peu à vous, Christine Eddy. Bon, vous êtes, pour moi, vous êtes une auteure de Québec. On s'est connus il y a des années autour de CKRL, la radio communautaire. C'était bien avant que vous publiez les carnets de Douglas en 2007. Vous avez publié avant en revue des nouvelles. Parlez-nous un petit peu de ce trajet jusqu'à votre premier roman, qui a été fort remarqué. Les carnets. Mon premier roman? Mais votre trajet jusqu'à... Okay. Bon, on connaît la liseuse maintenant, la boulimique de livres et la grande amateur de littérature. Vous avez évoqué tout à l'heure la période chronologique des années 70-80, éminemment féminine et féministe. Mm-hmm. J'ai essayé, en rapport avec le thème, je me suis posé pour la première fois cette question, pourquoi ai-je mis autant de temps avant de publier? Parce que écrire, c'est à la portée de tout le monde, c'était aussi à la mienne. Publier, c'est possible aussi, mais vouloir être publié, c'est quelque chose qui m'a terrorisée longtemps. Je dis ça en toute modestie et sans prétention vraiment, mais j'ai refusé tous les encouragements. Françoise Loranger m'avait écrit une lettre, je l'ai gardée la lettre, mais elle est restée dans un tiroir. Il y a des éditeurs à Québec qui m'ont dit, écoute, si tu as autre chose, amène-le nous. Et j'ai conclu, vous me direz si c'est scandaleux, mais j'ai conclu que c'est très féminin, peut-être, d'avoir à ce point manqué de confiance en moi et aussi d'avoir décidé que la priorité, ça serait les gens que j'aime. Donc, j'ai pas trouvé le temps d'écrire, mais j'ai pas trouvé la volonté non plus d'aller plus loin. C'est ce qui fait que j'ai commencé très tard. Il m'a fallu une grosse peine d'amour, il m'a fallu du temps. Et tout à coup, évidemment, que c'était l'écriture qui allait occuper la plus grande partie de ma vie. Vous le dites dans votre livre, la vie amoureuse et l'écriture, c'est souvent difficile à concilier. Oui. Moi, je pense aussi. Oui. Oui, c'est vrai. Mais ce que vous dites, ça ressemble beaucoup. C'est vrai que c'est féminin. Il y a plusieurs femmes qui ont réagi comme vous. Je pense à la grande poète américaine Flannery O'Connor, qui écrivait, et puis l'autre aussi, comment elle s'appelle?
A rose is a rose is a rose. Gertrude Stein. Non, c'est pas elle, c'est... comment elle s'appelle? Qui travaillait avec Gertrude Stein. Oui. Oui, oui, oui. Alice Betoklas. Non. Non, c'est ça. Mon Dieu, on va finir par y arriver. Quelqu'un dans la salle, s'il vous plaît? On a eu une bonne réponse tout à l'heure. Sylvia Plath. Non, c'est une très grande, et puis elle a été connue après sa mort. Puis elle avait dit à sa meilleure amie... Est-ce que c'est Emily Dickinson? Oui, c'est ça. Emily Dickinson. Elle avait dit à sa meilleure amie, elle avait des cartons là, remplis d'écriture, puis elle avait dit ça, tu vas brûler ça. Tu vas brûler, je ne veux pas être publiée. Puis finalement, son amie a trompé la promesse qu'elle avait faite parce qu'elle trouvait ça trop beau. Puis elle a été, c'est une écrivaine posthume, ça se peut. Nina Berberova. Berberova, oui. Oui. Mais moi, je ne suis pas ni Emily Dickinson, ni Berberova. Non, vous êtes Christine. Ben, vous êtes vous. Non, mais je me comparais à ni l'une ni l'autre. Mais j'ai publié... en fait, c'est une amie qui m'a convaincue de ressortir de mes tiroirs un texte que j'avais écrit 10 ans avant pour les enfants. Oui. Et là, j'ai publié La croisade de Cristal Carton en 2000, un livre qui est passé totalement inaperçu. Deux critiques, mais sinon pas grand-chose, puis qui a été pilonné depuis. Mais la bonne nouvelle, c'est que je n'étais pas morte. J'avais survécu à la publication, il ne s'était rien passé de terrible. Alors j'ai commencé à publier des nouvelles, très doucement. Puis ensuite, c'est une autre amie qui m'a convaincue d'écrire un roman, parce que je ne pensais pas que j'avais le souffle pour faire une histoire plus longue. Puis d'ailleurs, mon premier roman ressemble, il est monté comme des petites nouvelles. Oui. Tandis qu'avec le deuxième roman, j'ai eu l'impression d'être une écrivaine. Puis là, ça ressemble davantage à un roman, je crois. Puis là, du coup, ben, j'ai commencé le numéro 3, puis j'ai arrêté le numéro 3. Je suis en train de faire le numéro 4. Le 3 n'est pas fini. Puis l'année prochaine, là, je me sens vraiment comme quelqu'un qui écrit. Je vais me permettre de lire un extrait de Parapluie. C'est encore là, je suis allé vers les dernières pages des livres de nos invités ce soir. Vraiment, je trouve un roman qui construit admirablement une situation entre différents personnages et comment finalement c'est la disparition d'un personnage qui fait que toutes les autres se réunissent. Donc on est à la toute fin. Il n'y a plus beaucoup. Le titre Parapluie, évidemment, n'est pas étranger. Et c'est bien qu'il y a une inondation dans la ville où se passe l'action. Béatrice s'avança jusqu'à la balustrade. Avant de remarquer la foule groupée dans les fenêtres du HLM, rassemblée sur les toits et entassée sur les balcons, elle contempla l'eau à perte de vue dans laquelle baignait sa ville. Les repères avaient disparu. Terrain, rue, quadrilatère, arrondissement, il ne restait plus de frontières. Seulement ce miroir renversant que le lever du jour bleuissait d'ombre. À chaque étage des deux tours, les portes coulissantes continuaient de s'ouvrir et les gens, toujours plus de gens, mettaient le nez dehors, aussi hébétés que Béatrice. Des centaines de visages silencieux, serrés les uns contre les autres, posaient un regard ébahi sur le lointain. Au milieu de l'eau, le HLM ressemblait à une île. Béatrice prit Tali par la main et rentra pour réveiller Francesca, Catherine et Daphné, et tandis qu'elles étaient à l'intérieur, un bruit de moteur rompit le silence. Le premier hélicoptère qui survola la ville arrivait par le sud. Le pilote bredouillait dans son micro en essayant de décrire la scène qui s'étalait sous lui. Les équipements légers de la garde côtière surgirent, mais aussi des embarcations de toutes sortes, kayaks, voiliers, canots, qui affluaient d'on ne savait où et commencèrent à circuler lentement à travers les débris. Les navigateurs lançaient des mots rassurants aux naufragés. Il y en avait partout, agglutinés aux poteaux, rassemblés dans les parties supérieures des bâtiments, perchés aux arbres, cramponnés aux amas difformes qui flottaient çà et là. Des clameurs s'élevaient de toutes parts. Les mains se tendaient. Un secouriste habile décrocha d'une branche une écharpe verte et rouge sur laquelle le mot « Italia » s'inscrivait en grandes lettres blanches, et s'en servit pour tirer à lui un couple et leur bébé qui hurlait. Non loin de là,
Catherine et Béatrice aidaient Francesca à accéder au balcon. Daphné les suivait en robe de nuit, tandis que Tali, le téléphone sans fil à la main, composait le numéro de Léa. Toutes les cinq se resserrèrent jusqu'à former une cellule compacte, inattaquable. Le regard se fixa sur l'horizon. Le soleil allait se lever. Les personnages, Christine, de bon, Catherine, Béatrice, Francesca, Daphné, Tali, Léa, finalement font connaissance par certains hasards, quiproquos, dont elles ont conscience ou non, tous liés à la disparition d'un personnage qui est le mâle de l'histoire. Elles ont des âges différents, elles viennent de milieux différents. Normalement, il n'y a rien qui permettait d'imaginer qu'elles se lieraient d'amitié. Mais c'est la construction d'une amitié, oui. La construction d'une amitié autour de la disparition d'un des personnages. Il fallait un prétexte. Donc, l'homme est un prétexte. C'est bien ça que je voulais. Donc, on discute. Il faut quand même revenir au thème de cette rencontre. Donc, parler de l'histoire d'un groupe de femmes qui fera connaissance à cause de la disparition d'un homme. On n'en dira pas plus. Donc, qui est à la fois le mari, l'amant, le fantasme, la victime. Je lui ai en fait porté pas mal sur le dos à ce prétexte. C'est un homme qui disparaît pendant 34 ou 38 jours, je ne me souviens plus. Ouais. Et le personnage principal, c'est quand même sa conjointe. Ensuite, il y a la belle-mère qui vit en dessous. Elles ne s'entendent pas, mais évidemment, il y a 20 ans de différence entre les deux, 20 ou 30 ans. Il y a une petite fille qui a un problème de poids. C'est un de mes personnages préférés, Daphné, qui, elle, va avoir Matteo. Matteo, c'est le conjoint, c'est le fils de Francesca, c'est le conjoint de Béatrice. Ça va être le prof de Daphné. Daphné qui va étudier en littérature. Oui, on retrouve un peu de vos vos avatars. J'ai écrit « Quand vint le temps de choisir, je sais pas quoi, elle n'eut aucun mal à s'inscrire en littérature. » Commentaire de mon éditeur quand il a lu le manuscrit. Qui en a? Qui a de la difficulté à s'inscrire en littérature? Et puis après, il y a... En fait, je dis Daphné, une petite fille, parce qu'on la suit dès l'enfance. Mais on va connaître Daphné surtout à 19-20 ans quand elle arrive à l'université. Et puis là, il y a une petite fille, c'est vrai, une petite fille noire qui vit avec sa maman monoparentale. Bref, puis la petite fille et la maman sont dans un HLM. Francesca vient d'arriver d'Italie. Il y en a qui vivent dans un milieu plus bourgeois, en tout cas. J'ai voulu mélanger des âges, des origines, des cultures. Mais vous faites un peu la même chose dans les carnets de Douglas aussi. Je me répète déjà, après deux livres. C'est pas ce que je voulais dire. C'est pas ce que je voulais dire. On a le droit, quand même. Non, mais vous explorez. On voit comme un point de convergence avec des gens, des personnages, des situations un peu autour. Et vous tracez, vous tissez quelque chose qui nous amène vers un centre. Je pense que la famille, dans un sens pas forcément biologique, la famille, pour moi, c'est quelque chose d'important. Je pense que vivre une vie, c'est intéressant à condition d'avoir des ancrages quelque part, d'avoir des amours, des amitiés, des affections, de la tendresse. Là, en fait, c'est drôle parce que j'ai trouvé... En fait, j'ai lu, c'était le premier livre au complet que je lisais sur une tablette électronique. Lisez-vous sur tablette? Ça vous intéresse ou pas tellement? Ou vous n'y êtes pas rendu? Ça me dérange pas. Non, c'est pas. J'y pense pas. J'aime les livres. Oui. Mais ce qui est bien dans ce cas-ci, c'est qu'à la fin de Parapluie, il y a le premier chapitre d'un autre livre. Dans ce cas, j'ai téléchargé le fichier. Ah oui? Oui, il y a un extrait du cœur de la crevette. C'est une nouvelle. C'est une nouvelle.
Donc, ça, c'est... Donc, OK, c'est vraiment seulement... Une... Là, je ne savais pas si on essayait de nous... Si c'était un teaser pour le prochain livre. Oui, ça vous oblige à acheter les trois prochains. Non, je ne sais pas. Je ne sais pas ce que la nouvelle fait là. Parce que le cœur de la crevette, on est encore dans un univers... Bon, là, alors que dans... Dans Parapluie, il y a un personnage féminin dans cette espèce d'attente de son amant qui a disparu. Et là, dans le cœur de la crevette, il y a encore là. Et on est encore dans un stade de rupture amoureuse. Donc, pour vous, la rupture amoureuse, c'est un bon point de départ pour écrire la fiction et pour le romanesque. Mais je dirais que c'est drôle. Dans mon esprit, il y a sans doute plus de similitudes entre mes deux romans qu'avec cette nouvelle que j'ai écrite pour les 5 ans de la maison d'édition. D'Alto. Qui est les éditions Alto, ici à Québec, là, avec lesquelles vous travaillez. Et vous avez parlé du troisième et du quatrième roman. Ils vont nous amener encore dans des situations un peu tragicomiques, très humaines, très profondes. Pouvez-vous nous en parler? Quand j'ai fini les carnets de Douglas, il y a énormément de lecteurs qui m'ont demandé la suite. Puis évidemment, il y a ou un livre semblable, ou... parce que les carnets de Douglas se passent en pleine nature, ça... C'est les années 50, 60, 70 à peu près. C'est très rural. Et quand j'ai voulu faire un deuxième roman, je me suis dit, il faut que je fasse quelque chose de très différent. C'est ce que j'ai fait avec Parapluie. Le contexte est différent. J'espérais éviter le passé simple, mais il est revenu. C'est beau le passé simple. Alors, à chacun, j'essaie de réinventer ce que je... En fait, je considère, comme je n'ai pas un grand œuvre comme vous deux, j'ai 2,5 livres derrière moi. J'espère vivre assez vieille pour avoir une œuvre. Mais je pense que je suis encore en apprentissage. Mais le troisième... Le troisième qui se passe en Acadie, pour moi, il est différent aussi. Il est très différent. C'est comme un mélange. Parce que les carnets de Douglas, c'est plus poétique. Parapluie, c'est plus humoristique, je pense. Et mon rêve, ça serait de mélanger la poésie et l'humour. Mais que ça ne soit pas ridicule et lourd, que ça passe quand même. Maintenant que vous avez passé le mur, vous avez réussi à défoncer le mur qui vous a amené à l'écriture, à la publication, qu'est-ce qui vous intéresse le plus dans l'écriture? Qu'est-ce qui motive votre travail d'écriture? Je pense que c'est la forme plus que le fond. J'écoutais, je pense que c'est France qui disait... Enfin, j'ai dû interpréter, là, mais... Parce que moi, j'écris une première phrase et la deuxième arrive, et ensuite une troisième, mais... C'est très excitant pour moi de ne pas savoir de quoi je vais parler. Ce qui va arriver, oui. Donc, vous partez... Ouais. Sans plan. Sans plan. Moi aussi. Oui. Mais quand vous avez lu... Marie, c'est Marie? Pardon? Votre prénom, c'est Marie? Christine. Excusez-moi. Quand vous avez lu Christine tout à l'heure, ça m'a fait penser à... J'ai trouvé que c'était très musical. Puis comme vous avez parlé de Verlaine... Peut-être. Verlaine et la musique de ses vers, Verlaine et la musique, je me suis dit que... Je ne sais pas, je n'ai pas lu là, tout votre livre, je lirai, mais qu'il y a quelque chose de très musical dans ce que vous écrivez. C'est possible. Je sais que la forme, pour moi, est... C'est important. C'est très important. Et pourtant, une histoire, c'est d'abord le fond. Mais j'accorde... C'est beaucoup un rythme, et je pense qu'en tout cas, il y a vraiment un rythme ce que j'ai lu dans l'extrait final, on le retrouve dans ce même rythme. Il y a un souffle, un rythme qu'on passe. Chaque chapitre nous présente le point de vue d'un personnage différent. Donc, on a le point de vue à peu près de tout, incluant Mathéo, qui évidemment n'est pas présent dans ces derniers chapitres. Mais vraiment, peut-être comme vous dites, en tout cas, il y a quelque chose dans le rythme et dans le souffle des mots et des phrases qui est très musical. Oui. Alors, dans 10 romans, peut-être que je vais écrire un chef-d'œuvre. Peut-être. D'ailleurs, je voulais vous dire tantôt que vous avez parlé d'œuvre en parlant de ce que fait France et de ce que je fais. Ce n'est pas le nombre de livres je sais. Qui va faire une œuvre.
Il y a de très grands qui ont fait un seul livre. Mais c'est quand même très impressionnant d'être avec vous, qui avez une carrière que vous avez commencé bien avant moi. Oui, mais parfois, moi, je pense qu'il y en a plusieurs de mes livres qui étaient des brouillons. Oui. Est-ce que vous relisez vos livres, si je vous entends dire ça? Non, bien, juste quand on a des lectures publiques, on va en relire. Mais je pense que parmi mes premiers livres, il y en a qui étaient des études, des ébauches, des brouillons. Je me dis peut-être que j'aurais dû laisser tomber, puis, mais en même temps... On ne sait pas. On ne le sait pas. Mais quand, par exemple, vous avez publié Autographie, qui reprenait plusieurs de vos premiers recueils, à ce moment-là, est-ce que vous faites un travail de réécriture? Ou non, jamais. Pas plus qu'il faut. Comme ce que France disait tantôt, je suis incapable de retravailler un livre. Je n'ai jamais pu faire ça. Je ne peux pas faire une deuxième version d'un livre. Je ne peux pas. Si je commence une deuxième version, ça devient un autre livre. Mais okay, donc, vos livres sont généralement des premiers gestes, simple que ça. Ah oui, OK. Bien, oui, moi, quand j'écris, je transcris parce que j'écris dans ma tête. OK. Alors, mes livres sont des transcriptions des premières écritures. C'est comme ça. Je ne dis pas que c'est bien. Je n'ai pas dit que c'était mal. Mais c'est juste comme ça. Vous, France, par exemple, pour sûr, est-ce qu'il y a eu plusieurs... La structure a évolué un peu, ça a bougé quand même. La structure était établie au départ, mais ça a bougé à l'intérieur là, pour tout faire concorder les... Mais je dis souvent au sujet du livre, pour sûr, c'est un peu le sundae sur la cerise dans mon œuvre. C'est comme si tous mes livres avant... avait un peu tourné autour du pot, mais c'est comme si je cherchais comment faire le livre, ou un vrai livre. C'est drôle parce que mes livres d'avant même, il y en a qui sont quand même assez complets par eux-mêmes et tout Mais ce sont des vrais livres aussi. Oui, ce sont des vrais livres, mais dans mon petit moi intérieur, mon vrai livre, c'est pour sûr. Okay. Ah oui? Oui. Et ça veut dire qu'il pourrait ne plus y en avoir, malgré que j'ai déjà dit ça avant, là. J'ai le fantasme de n'avoir plus besoin d'écrire. Mais vous avez écrit pour le théâtre? Ben, je ne sais pas si c'est formidable ou pas. On dirait qu'un écrivain est censé écrire toute sa vie. Je sais, mais de sentir qu'on n'aurait plus besoin d'écrire, ce serait comme un accomplissement. Ben, oui. Pour moi. Oui, ben, c'est ça que je pense. C'est plus dans le chemin, je peux continuer. Oui, on peut faire autre chose, Faire autre chose. Mais justement, mais après avoir écrit une autobiographie, par exemple, on pourrait penser aussi que là, qu'est-ce qu'on écrit après? C'est vrai, on pourrait dire ça. Qu'est-ce que vous écrivez en ce moment? Ben là, je ne peux pas parce que j'arrête pas de parler du dernier. Je suis complètement. Puis d'ailleurs, ça me dérange. Okay. Ça me bouleverse de ne plus avoir de projet d'écriture. Ça me dérange. Mais je ne peux pas en avoir tant que je reste... Je suis dans le postpartum de... Depuis toujours? Oui. Okay. Et puis... Est-ce que vous regrettez de l'avoir écrit? Non. Non, 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 mais c'est ça. En postpartum, on rêve pas d'un autre bébé. Oui, c'est ça. Ouais. C'est ça, j'attends. C'est pas grave. Des fois, je me dis, bon, j'en ai écrit assez, je peux mourir. Il y a beaucoup de livres quand même, hein? Oui, pas mal. Il y en a-t-il trop? Peut-être. Non, mais on peut se poser la question, hein? Peut-être. Des fois, je me dis ça. Qu'est-ce qui m'a pris? On n'est peut-être pas obligé d'en écrire chacun 25. Là. Peut-être. En effet. Oh, Christine, à 2,5, vous en êtes à 1/10 de 25. Finalement, peut-être que c'est ça. Peut-être arrêté à 3. Mais on n'est pas obligé d'écrire du tout. Mais j'ai un ami qui... un ami avec qui j'ai étudié en littérature qui, lui, prétendait ça. Quand je lui demandais, toi, veux-tu écrire? Il dit non, pourquoi j'écrirais? Qu'est-ce que j'écrirais? Il y en a tellement qui ont écrit, puis il y en a tellement qui ont écrit des choses extraordinaires. Comment pourrais-je prétendre, moi, ajouter quelque chose qui serait signifiant ou significatif à ce corpus? C'est étourdissant quand on voit, il se publie, j'ai regardé les chiffres de la Bibliothèque nationale, l'an dernier, 3 500 livres.
Oui, mais de littérature seulement au Québec. Ça inclut la littérature pour enfants, la poésie, le théâtre, les romans. 3500 oui. dans oui, une ça année. Ça peut être étourdissant. Mais quand j'ai commencé à faire de la critique, on faisait des émissions littéraires à CKRL. Hein, on était un peu dans les mêmes équipes et on réussissait à notre petit groupe de 5 ou 6 à lire à peu près tout ce qui paraissait dans une année en fiction. Oui. Poésie, romans et même théâtre, et on couvrait l'ensemble d'actualités. On parle de 80 à 83, là, il y a une trentaine d'années. On dit 3500. C'est impensable aujourd'hui. Mais en même temps, on ne peut pas arrêter. Ça me fait penser à l'histoire d'un jeune écrivain qui vient voir André Gide, puis qui lui dit, maître, parce qu'André Gide était vieux, puis on le surnommait un maître en écriture. Il y a tellement de livres qui ont été écrits, maître. Pourquoi moi, j'écrirais mon livre? Ça revient un peu à ce que vous disiez tantôt. Puis, il a répondu, parce que tout a été écrit peut-être, mais rien par vous. C'est bon. Ouais, mais ça nous ramène à, je trouve, un élément important dans toute votre écriture, mais que là, j'ai revu depuis toujours. J'en ai parlé un petit peu au début. C'est, on peut parler de l'écriture des femmes, de l'écriture féministe, on peut parler des grands mouvements, mais ce qui prime, et c'est cette comparaison que vous faites entre vous, quelqu'un qui vous a comparé à V.S. Naipaul. Ça m'a étonné. Donc, mais la singularité d'une écriture, mais en fait, ce que je trouve intéressant dans la comparaison, c'est de voir qu'à quelque part, peu importe le mouvement, peu importe la collectivité, la communauté à laquelle on se réfère, ce qui importe, c'est l'écriture, c'est la singularité, c'est qu'une personne, à un moment précis, dans son espace-temps, dit telle chose qui rejoint des lecteurs, parce que si ça ne rejoint pas de lecteurs, il n'y a pas de... Bon, il y a écriture, mais il n'y a pas de littérature. Mais donc ça demeure. Ça demeure. Qui va rejoindre d'autres écritures qui se publient ailleurs sur la planète. Souvent, on rencontre nos vrais amis dans des livres. On devient plus ami avec un auteur qu'on n'a jamais rencontré qu'avec notre voisin qui nous tombe sur les nerfs, par exemple. Ça se peut. Mais c'est ça, il se crée des amitiés entre les livres puis entre des auteurs virtuels qui parfois ne se sont jamais rencontrés. On apprend la vie aussi. La vie, oui. Mais cette effervescence dont on a parlé tout à l'heure, que vous avez vécue dans les années 70-80, qui était fondée sur le sens de la communauté, la sororité chez les femmes, une fraternité quand il y avait des hommes, qui était très humain, très sensible, et sensuel, et révolté, et militant, et tout ça, on peut le retrouver. Ça existe encore aujourd'hui. On peut le recréer, le retrouver aujourd'hui, malgré, Internet. Oui, ça existe. Mais ça existe autrement. Mais ça existe. J'ai vu un bon film cette semaine, par exemple. Je donne un exemple, c'est le démantèlement. Il y a une petite communauté qui se crée là, entre un réalisateur que je n'ai jamais rencontré en personne. Mais bon, donc ça se peut. Puis d'autres liens se créent, mais pas nécessairement avec le fantasme des années 70. On est un groupe, puis... on s'aime, puis tout est beau, puis on fait la fête tout le temps. C'est pas ça, là. Ça peut être dans la solitude aussi. Est-ce que la révolution numérique, cette multiplication, parce que n'importe qui... Bon, l'édition à compte d'auteur a toujours existé, mais aujourd'hui, il y a une multiplication absolue du nombre de titres, de textes, de récits qui sont disponibles. Ça favorise cet échange, ou oui ou non? Pas. Je sais pas, vous autres, moi, je sais pas. Est-ce que ça change quelque chose? Je sais pas. Et l'écriture des femmes, si on y revient pour tranquillement boucler notre boucle, j'ai l'impression qu'on entend plus parler de chick lit que de littérature des femmes de nos jours. On entend encore beaucoup, c'est comme si les magazines féminins ont poursuivi leur croissance au fil des décennies. Internet et la télévision contribuent énormément à cela. Mais il y a encore, quelque chose qui s'appelle une écriture des femmes ou féminine ou plus proche
du féminisme aujourd'hui? Qui c'est, et comment on la... Vous la reconnaissez où? Est-ce que ça existe? Il n'y a pas. Moi, je n'ai jamais pensé qu'il y avait une écriture féminine qui existait. Comme il n'y a pas des recettes féminines quand on fait la cuisine. Mais... ou de la musique féminine. Ou de la peinture féminine. J'ai jamais pensé qu'il y avait ça. Mais il y a des femmes qui écrivent. C'est beau. Il y a plus de femmes qu'avant qui écrivent, qui sont libres d'écrire, qui peuvent écrire, puis qui ne se feront pas traiter de tous les noms. Puis elles peuvent même être enceintes puis écrire, c'est extraordinaire. Elles font les deux maintenant, elles peuvent. Il y a quand même... Oui, je peux vous couper? Non. Il y a quand même quelque chose auquel j'ai pensé quand j'ai su le thème, quelque chose qui, moi, continue à me choquer. Je pense qu'écrire a été presque impossible pour les femmes pendant des siècles, écrire et publier. Je pense que ça n'est plus vrai aujourd'hui. Mais briller, je pense, me semble plus difficile pour les femmes. Briller? Oui. Et j'ai trois chiffres que j'ai appris par cœur. Comme preuve, la Pléiade. La Pléiade, théoriquement, c'est le patrimoine mondial et philosophique de tout ce qu'il y a de mieux en littérature. Je les ai comptés. Il y a 200 auteurs, il y a 10 femmes. Alice Munro a eu elle est la 13e femme à avoir eu un prix Nobel de littérature. Le prix est donné depuis plus de 100 ans. Puis évidemment, j'ai oublié mon troisième chiffre, mais il était très percutant aussi. Oui, j'ai lu dans une revue française... les prix littéraires, ça vaut ce que ça vaut, mais il faut quand même une forme de reconnaissance. On pourrait parler de la présence des femmes dans les dictionnaires littéraires, ça serait la même chose. Alors j'ai lu quelque part que 70% des prix littéraires en France sont donnés à des écrivains masculins. Je n'ai pas regardé ici, mais j'ai regardé le prix Athanase David, qui est la plus grande récompense qu'on donne à un écrivain au Québec. Et 70% des lauréats sont des hommes. C'est dans ce sens-là, peut-être que briller n'est pas le bon mot, mais je trouve que c'est vrai pour toutes les artistes, sauf peut-être les danseuses, mais toutes les femmes artistes, les peintres, c'est la même chose. On ne les retient pas dans les anthologies. Il y a un rattrapage qui se fait, il y a un rattrapage qui se fait. C'est très lent. Ça a été des siècles, mais pendant des millénaires, on a été soumises et on n'a pas eu le droit à la parole publique et à l'écriture. On ne peut pas penser que ça va se réparer en 50 ans. Non. C'est des siècles que ça va prendre. Il ne faut pas se décourager. Mais tu disais cet après-midi que c'est quand même surtout les femmes qui lisent. Oui. Oui, ça, vraiment, ça s'est établi, connu statistiquement. Oui. Est-ce que ce sont les hommes qui éditent et les hommes qui président les jurys? Est-ce que Ça change. Mais il y a eu une époque où c'était les hommes. Oui. C'est souvent les hommes qui éditent. Au 19e siècle, on parlait des contrats couchettes. Quand une femme réussissait à se faire éditer, ça voulait dire qu'elle avait couché avec l'éditeur. Mais c'était systématique. Si son livre était bon, si la critique était bonne, c'est qu'elle avait couché avec un critique. Oui, mais c'était pareil. Quand moi, je suis allée à l'université, à 21 ans, il y a un prof qui nous a dit, puisque je vais le nommer, non, je ne le nomme pas parce qu'il n'est pas mort, là, mais il nous a dit, dès le premier cours, je ne donnerai jamais plus que 70% aux filles. Et puis, on a demandé pourquoi. Il dit, parce que tout le monde sait qu'une fille vient à l'université, pas pour étudier, mais pour trouver un mari. Mais moi, je l'ai vécu, ça, je l'ai entendu de mes oreilles. Donc, ça va prendre du temps. C'est long. Je pense qu'actuellement, il y a plus, si je m'abuse, il y a plus de femmes qui s'inscrivent à l'université et dans beaucoup de disciplines. Plus. Alors, bientôt, c'est les hommes qui iront à l'université pour trouver des femmes. Ça se peut. Hein? J'espère que les femmes ne voudront pas d'eux, mais ça, c'est autre chose. Oui.
je m'en voudrais, bon, c'est un événement regrettable, mais bon, Doris Lessing est décédée il y a quelques jours. Elle a été, bon, prix Nobel en 2007. Elle a marqué l'écriture, là, je ne vais plus dire l'écriture féminine, depuis que vous avez dit que vous y croyez plus. J'ai jamais cru. Elle a marqué la littérature tout court, hein, par des grands livres. Le Carnet d'or, d'abord, qui l'a fait connaître. Oui. Doris Lessing a été une auteure, vous l'avez lue, j'imagine, peut-être. Oui. Elle a marqué votre parcours. C'est extraordinaire. Doris Lessing, l'as-tu lu? J'ai pas lu Le Carnet d'or, j'ai lu d'autres. C'est pas grave, mais moi, ça m'a bouleversée. J'ai vraiment aimé la lire, comme j'avais... D'ailleurs, ils l'ont comparée à Dostoïevski. Mm-hmm. Puis on peut... C'est parce que... Ça m'a rappelé aussi une autre, Sigrid Undset. Mm. Que Rosa Luxembourg engueule vertement aussi, dans votre livre. C'est des femmes qui pouvaient écrire, qui avaient du souffle pour écrire longtemps, malgré les censures ambiantes. Mm-hmm. Ça, c'est très admirable pour moi. Et Lessing le dit, elle a été, bon, elle a eu une période dans sa vie où elle a été proche du Parti communiste au Royaume-Uni, mais ensuite, elle s'est comme libérée de tout ça. Elle a dit, je ne suis dans aucun camp, je ne suis dans aucune chapelle, je suis autonome et indépendante. Oui. Est-ce que c'est une façon, bon, je ne veux pas être méchant en disant ça, mais est-ce que c'est une façon de refuser le militantisme et l'engagement de dire ça, alors qu'elle était pourtant très engagée dans son écriture? Peut-être qu'elle elle a été engagée un bout de temps, puis après, elle s'est peut-être dit, ben, prenez le relais, les plus jeunes, j'ai fait ma part, j'ai donné. C'est sûr qu'à 94 ans, elle avait éminemment donné sa part. Ben oui, c'est sûr. Dernière question. Et s'il y a des gens dans la salle qui veulent poser une question ou mettre un commentaire dans quelques minutes. Il y a eu en fin de semaine des États généraux. Je n'ai pas le nom exact, c'était les États généraux du féminisme ou des femmes au Québec. Est-ce que ça a attiré votre attention? Est-ce que vous étiez au Québec en fin de semaine? Là, Je n'avais pas la tête à ça, non. Non. Moi non plus, parce qu'on ne les connaît plus, puis elles ne nous invitent plus. Donc, vous n'êtes plus non. sur le radar, comme on dirait. Non, parce que ça nous trouve vieilles, quelque chose comme ça, vieilles. Vous, Christine, est-ce que vous avez suivi un peu? J'ai lu l'article dans Le Devoir. Oui, moi aussi. Mais ça s'arrête là. Mais j'ai vu aussi qu'il y a un nouveau, j'allais dire parti, mais il y a un nouveau mouvement féministe qui est né. Il se passe quelque chose en ce moment. Oui, il y a une volonté de... Autour de la charte des valeurs. Ben, je ne sais pas si c'est à cause de la charte, mais... Volonté de recréer un mouvement, pourquoi pas? Là, c'était la Fédération des femmes du Québec qui faisait des états généraux. Oui. Le nouveau parti a été créé la semaine dernière. Ben oui, c'est bien. C'est drôle parce que moi, donc, j'ai eu de 20 à 30 ans, j'ai vécu cette révolution féministe. Mais c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, je sais que le monde peut changer. J'étais déjà idéaliste, mais je ne peux pas croire que j'ai vu changer le monde de mon vivant. Quelque chose s'est amélioré. Oui. Alors je me dis, ça va recommencer. On va améliorer l'écologie, on va améliorer l'état de la planète, on va améliorer les rapports entre les classes sociales. Il n'y a aucune raison. On l'a fait une fois, on va le refaire. Oui, moi, je suis d'accord avec ça. Poursuivons. Poursuivons. Ça n'est qu'un début. Poursuivons le combat. Oui. C'est bien. Merci infiniment. Je vais, pour moi, c'était un grand honneur de vous recevoir et de parler. Moi, c'est clair, j'ai été, comme Christine un peu disait, moi, il y a eu un moment dans ma vie où tout ce que je lisais, c'était des auteurs, des femmes qui écrivaient au Québec. Ça a marqué mon entrée en littérature. J'étudiais mon bac à Laval et j'arrivais avec des livres que mes professeurs connaissaient à peine, des livres des Herbes rouges, l'Enlevard du jour, qui n'étaient jamais au programme. Et bon, il y avait beaucoup de femmes qui étaient au cœur de ces écritures-là et qui ont marqué ma vie. Et je sais, quand Depuis toujours est paru, je me disais, une occasion de retrouver un peu cette période, mais avec deux auteurs que j'ai découverts depuis et dont j'admire le travail. Merci infiniment. Merci à vous.
J'ai quelques nouvelles brèves. On va changer totalement de domaine, mais ce sera au même endroit. Demain soir, ici, donc le Musée de l'Amérique francophone reçoit le grand sculpteur, vraiment un sculpteur important de Saskatchewan, Joe Fafard, qui vient ici avec 17 sculptures, quelque chose comme ça, qui vont être exposées dans la salle, mais aussi avec son fils qui est musicien. Donc, il y a une soirée musique et ça a l'air... sur la photo, il joue de la guitare électrique et ça a l'air assez enjoué. Alors, demain soir, des générations pour l'art, à l'occasion de la tournée canadienne Attuned to Arts, Culture and Song, Joe Fafard et son fils Joël, qui seront ici à 20h, ouverture des portes à compter de 19h. Dans la série des poètes de l'Amérique française, qui a aussi lieu à la chapelle ici, qui est animée depuis des années par Guy Cloutier. Attendez que je retrouve ma page. Voilà. Donc, le lundi 9 décembre, à 19h30, l'écrivain Gilles Archambault, une grande voix de la littérature, aussi une grande voix de la radio, donc il sera ici pour faire lecture d'extraits de son œuvre. Le prochain rendez-vous dans notre série « Les Amériques littéraires » le 12 février, le thème sera le territoire intime, territoire géographique. Nous aurons encore trois invités. Lise Gaboury-Diallo, qui est poète et romancière du Manitoba. Jean Désy, qui se qualifie lui-même d'un écrivain nomade. Il a travaillé énormément avec les Premières Nations dans le Grand Nord, a publié nombre de livres. Et Louis-Carl Picard-Sioui, qui est un écrivain plus jeune, Huron-Wendat, qui est aussi un animateur culturel d'un niveau qui est très impliqué au sein de sa communauté. Et qui d'ailleurs organise avec un petit comité les 29 et 30 novembre prochains, donc le Salon du livre des Premières Nations. Je pense qu'il y a un mouvement quand même, là, hein? On parle de mouvement, il y a toujours quelque chose qui se passe, mais en tout cas, la littérature des Premières Nations est en pleine ébullition. C'est peut-être malheureux, c'est souvent en français ou en anglais, parce que leur langue, Joséphine Bacon écrit en Innu, mais enfin, plusieurs des langues des Premières Nations n'existent plus, ne sont plus écrites. Certaines n'ont peut-être jamais été. Enfin, là, je ne suis pas un spécialiste de la question. Donc, on en parlera avec lui et ceux qui sont intéressés donc, par ce Salon du livre des Premières Nations à Wendake les 29 et 30 novembre prochains. Il y a des gens de la librairie Pantoute qui sont derrière avec des livres de nos auteurs, qui, j'imagine, se prêteront bien au jeu de la conversation et de la dédicace, si vous le voulez, dans les minutes qui viennent à l'arrière. Voilà, merci de votre présence. Merci à ceux qui nous ont suivis et écoutés sur Internet. Je vous rappelle que, si vous voulez, la bande audio de la rencontre, elle sera disponible d'ici peu sur le site du Musée de la civilisation en MP3. Et je vous souhaite une bonne fin de soirée, un bon hiver, hein? L'hiver approche. À bientôt.